comme on vous l'avait dit, on a prévu un très grand programme pour concurrencer Intermarché ce soir. Et c'est pour ça qu'on va jouer à un simulateur de pêche. Eh oui, vous ne rêvez pas. Voilà. Nous allons le faire ce soir en exclusivité. Nous allons jouer à ce superbe simulateur de pêche Call of the Wild The Angler. Donc ceux qui ont fait Call of the Wild, le jeu de chasse, ils se sont dit « Ok, banger, on va sortir un jeu de pêche. » Et je vous le donne en mille, il est jouable en coop. Et ça, c'est une dinguerie. The Hunter, pur classique. Donc, évidemment. The Angler était le titre le plus attendu de cette année, devant tous les pauvres jeux que vous attendiez peut-être. Moi, c'était mon préf, d'accord ? J'attendais moi ce jeu. Moi, également. Comme le Messi. Donc, attendez-vous à de la grosse poiscaille. Hein. Attendez-vous à des... On a des tous les deux fait le didacticiel, donc on a les bases de la pêche. Ah ouais, moi normalement. Je suis chaud. Alors par contre, on est tous les d'accord qu'il y a un problème. Les poissons, ils font 5 cm, ils résistent comme si c'était des requins. Bah alors, on a raté le tutoriel. Tu rigoles, non mais je veux dire, je les ai tous attrapés. Mais je veux dire, non, t'as vu leur résistance quand tu les tires. Il y en avait un argent, il m'a pété ma ligne. Je t'avoue, il m'a pété ma ligne. Ah, j'ai pété aucune ligne, par contre. Ah, ouais, moi non plus. Non plus, mec. Ah, j'ai pété. C'était pour tester, c'était pour faire un test pour voir si t'avais pété ta ligne. Ah merde, c'est un diapo. Ah merde, apparemment, j'ai peut-être été un peu trop gourmand en termes de. Alors qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que je dois faire ? N'hésitez oui, c'est vrai que tout est en ultra. Dans le chat, déjà je vais changer le titre et point d'exclamation jeu. N'hésitez pas à cliquer. Ça nous aide. Ça nous fait plaisir quand vous cliquez sur les liens épiques. Cliquez sur les liens épiques, vraiment, c'est... Voilà, n'hésitez pas à soutenir votre petit commerçant en cliquant sur son lien, cliquez sur son gigot. Je vais faire un titre, banger, moi, c'est Wanky 7 Pro. Simulateur c'est pas de bon. Pêche. Quelle soirée de folie, c'est énorme. Par contre, faut vraiment que tu me dises ce que t'as fait pour capturer le truc, parce que... Option... Moi, mon bousin, je l'ai mis en ultra de fou. Là, je suis en ultra de fou, je suis en 100 bordures. Ouais. J'ai la V5. Échelle de résolution 100. Échelle de résolution, j'ai mis 100. D'accord. Donc là, finalement, t'es en train de me dire qu'on a exactement la même chose tous les deux. Sauf que moi, apparemment, c'est. C'était la V5. La V5 peut aider, des fois. Moi, je l'ai désactivé de base, mais là, je l'ai réactivé du coup. Ouais, moi, elle est restée c'est activée. Bon pour une c'est fois bon. Que c'est pas ah, moi qui ai un bon, problème, quelle bon. Dinguerie. Okay. Oh, ça, je l'ai réglé en 2 secondes. C'est vrai. Eh, par contre, c'est qui les... Bon, je les appelle comme ça, mais je leur en veux pas. Hein, mais c'est qui les enculés qui rejoignent ma partie, là? Alors, ouais. Oh là, Miss 95, combien, tu as 25 subs offerts, merci beaucoup. Ouais, merci, Miss. Merci beaucoup. Alors, on n'est pas déjà sur le même serveur, je pense. Ouais, et comment tu me rejoins? Eh ben... Désolé, je masque vite fait. Je clique sur rejoindre la partie. Ça ne fait pas santé. Mais je pense que ça va faire comme hier. Tu l'as fait. Ok. Attends. Ah, attends, ça marche. Ok. Ok. Et là, tu dois être quelque part. J'ouvre ma carte. Il est où? Il est. Rejoins-moi au ponton. C'est pas. Pas très précis. Tu sais, là, il y a plus tôt. Ouais, mais je devrais te voir sur ma carte normalement. Sauf si on est trop loin. Mais c'est qui ça? Pas d'amis. Ça fait plaisir. Et ça, c'est qui? Ouais, non, en vrai. Mais. Je crois pas qu'on soit sur le même serve là. Parce que normalement, quand tu regardes la carte, tu vois les. La pin de ton pote. Ah bah, j'aimerais bien voir la pin de mon pote. Ouais, tu vois pas la pin de ton pote là. Parce qu'il y a une pin donc, en jaune. Parce qu'hier, comment t'as réussi à me rejoindre hier? Je vais essayer de te rejoindre. Désolé, je masque à chaque fois parce que on voit mon email. Vous ne pas connaître mon email, non? Sexyboy77@hotmail.fr. Ah ouais, c'est nickel, j'en ai rien à foutre, mais quand même. Alors là, je t'ai rejoint. La gueule, Sophia Taylor! Eh ben, c'est qui? Eh ben, c'est quoi tous ces subs? Ah oui, bah le train de l'hype. Mais alors, pourtant là je suis avec plein de gens. C'est qui tous ces gens? Encore une fois, on a complètement pu se rejoindre hier hein. Hier on a fait des tests. Mais là forcément. Alors moi je joue avec Zoan hein. Je suis en train de jouer avec Zoan. C'est mais moi top je joue avec top. 3
Moi, attends, c'est une véritable fête. Tout le monde s'épie près du ponton et est en train de pêcher, mais toi, t'es pas là. Je joue avec Jop. C'est génial. Je me régale. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est comment t'as fait pour me rejoindre hier, dans ce cas-là. Bah, hier, t'avais réussi juste à me rejoindre. Non, c'est toi qui m'avais rejoint. Ah non, moi, hier, je t'avais pas rejoint. Mais si, souviens-t'en. C'est pas toi qui m'as rejoint. Hier, je t'ai ajouté, mais je t'ai pas rejoint après. Attends, là, ça fait changer de serveur. Peut-être que ça va être sur le tien. Peut-être. Ah bah là, il y a plus personne. Okay. Alors, est-ce que toi, t'as bougé par rapport au didacticiel? Parce que là, je suis sur une map avec personne. Non, moi, je suis à l'avant-poste, la maison, quoi. Où il y a les marchands, tout ça. Et là, essaie de me rejoindre. Ouais. Bah, ça fait comme si je te rejoignais en tout cas. Hein, ça, ouais, oui, moi aussi ça fait comme ça. Tu sais, ça me charge et puis j'arrive. Tu sais, on se dit c'est bon et tout. Là, il y a personne. Mais j'ai l'impression que ça vient au compte-goutte aussi. Ça se trouve, faut juste qu'on ait de la chatte. Hein. Ouais, je pense que c'est ça parce que tu vois, là, je suis sur un serveur avec des mecs. Vous êtes au même point. Le problème, c'est que hier, on a réussi parce que le jeu était pas encore sorti. Ouais, c'est ça, je pense que. Et là, si on doit faire ça jusqu'à temps que. Bon bah, je sais pas, c'est quoi chiant. Pour être sûr, viens sur le ponton où il y a le didacticiel. Mais c'est quel ponton? Mais tu l'as sur ton didacticiel toi? Mais je sais plus moi, c'était. Attends. Oh, ça y est, il a 20 heures de jeu. Ça doit être. Non, mais j'ai pas bougé en fait, mais il y a plusieurs pontons. Oh, ça doit être ça son ponton. Je vais essayer. Ça doit être ça son ponton. On rejoint de la partie. On recommence. Je pense que c'est ça ton ponton. Il y a un bateau. C'est vraiment pas le mien, tu sais. Une erreur inconnue. Ah ! C'était comme ça que ça avait réussi à rejoindre hier. Nerazus. Alors si ça se trouve. Putain, le fumier il est pas là. Après, pour être clair, la coop elle ajoute pas grand chose. C'est-à-dire que juste on se verra. Oui, c'est tout. Mais bon, c'est dommage. Ce serait quand même bien. On peut jouer sans ça, mais c'est dommage. Quand même. Bon, moi je propose d'essayer. Putain, vas-y. Mais je les vois en plus les mecs. Je vais te rejoindre. C'est toujours des nouveaux mecs. Encore. Ouais, on tourne de serveur depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, on alterne. Ça tourne, ça tourne. On vient se tomber dessus. Hein. J'ai peur qu'il y ait. Parce que putain, les trucs The Hunters, je crois que c'est des jeux avec des mecs qui sont une armée de fanatiques et ça se trouve ils sont déjà 100 000 là. Ouais, il y a une commu, je pense, hein, déjà. Commu de pêcheurs. Donc en fait, quand je rejoins un serveur, à chaque fois, j'ai personne. Et au compte-goutte, j'ai l'impression que il y a des gens qui arrivent dans ma partie. Moi, je suis avec Louège. C'est cool. Moi, je suis avec Tursal. Bah, génial. Et alors? Et si je réessayais? Encore une fois. Quelle galère! Bon, ils font chier un peu. Et si on demandait à tous les joueurs de partir là, et de nous laisser juste nous? Laissez-nous sur notre ponton, pêcher nos jolis poissons. Et là je vois personne, sacre bleu. Non, en gros le chat, s'il était sur mon serveur, il y aurait des petits points comme ça, gris là, mais en jaune. Il y aurait un point comme ça, mais en jaune. Ouais, on s'est vu en jaune hier en fait. Et on avait réussi, hein, du premier coup, mais c'était hier. Et hier le jeu n'était pas sorti. Et oui, on avait un accès exclusif en tant que partenaire Epic. On y jouait sans tous ces gueux. Bah il y en avait quand même parce que il y avait des mecs sur notre serveur. Ouais. Et du coup c'est ça qu'on aurait dû mettre la puce à l'oreille. Comment était-il sur notre serveur alors qu'on n'était pas amis avec eux? Eh ouais. C'est juste en fait c'est un MMO en fait. Hein. Il y a des gens partout. Je nous donne jusqu'à 22h25 pour réussir. Ok, je 22h25 sinon on fait autrement. L'autrement en question, je joue pas, je regarde. Ouais. Regardez ce mec, il a pas d'âme, c'est pas mon pote. T'es pas mon pote. Et si t'es sur le ponton, je devrais te voir directos en fait. Franchement, je pense, le chat pouvait confirmer, on est sur le même ponton. Donc vas-y, je vais. C'est bon, t'es dans une partie, tu vois tout le monde, je vais retenter de rejoindre ta partie. Ouais, apparemment, on est sur le même ponton. Donc vas-y, essaye de rejoindre. Je vais essayer. Après les bâtards ils font des trucs que j'ai pas fait là, je les vois, ils ont des bateaux et tout.
J'ai rejoint un serveur, j'attends de voir les joueurs. Ah, ouais, il y a un giga bateau là, on va pouvoir prendre un gros bateau. Hein. Bah ouais, mais j'aimerais bien. Et j'aimerais bien. Bah ouais, c'est vrai, si on prend la voiture tout seul, quel intérêt. Bah oui, après on prend la voiture à deux. Oh, oh là là, et après on va dans d'autres endroits. Ah ouais, non, ce serait bien parce qu'après on va explorer la map et tout. Il y a des endroits. Bah oui, parce qu'elle est gigantesque la map, t'as vu la taille de la map. On visite et tout, regardez. Ce serait ça qu'on voudrait faire. On fait tous les points d'intérêt, on pêche un poisson par-ci, un poisson par-là. Je recommence. Un barrage, putain, des mines d'argent, la ville fantôme. Il y a une ville fantôme. Hein. Putain, ça se trouve, il y a une option qu'on n'a pas mise. Hein. Oh. Je suis pas sûr de ça. En plus, je vois jamais les mêmes personnes, du coup, ça me fait peur. Regarde, option. Multijoueur. Matchmaking multijoueur. 100. Ah ouais, on peut régler ça par contre. Joueur multiplateforme, 100. Appliqué. J'ai mis 100 pour le matchmaking multijoueur et 100 pour le joueur multiplateforme. Eh, hey, tu sais que le matchmaking multijoueur ça peut être ça. Hein. Parce que du coup, ce matchmaking multijoueur ça nous met avec tout le monde. Ça nous met avec tout le monde peut-être. Et là, du coup, là je peux plus te rejoindre. Tu peux me rejoindre? Oh non, pas ça. Attends. Toi tu peux ou pas? Parce que moi je peux pas. Non, je peux pas. Mais c'est de la merde. c'est trop... Mais ils sont j'ai cons. Plus l'option. Attends, t'es hors ligne? Ça me dit que t'es hors ligne. Ah bon? Statut. Non, je suis en ligne. Ouais, bah c'est le matchmaking multijoueur, je pense que c'est ça. Bon, on retire le multiplateforme. Ouais, et on garde le... Mais après, beaucoup de gens sont sur PC, je pense. Hein. Ouais, bah ouais. C'est dommage. Putain, je pensais qu'on avait trouvé. Hein. Putain, moi aussi. Ok, je vais... Ah non, je peux pas réessayer, parce que ça me propose pas de te rejoindre. Ouais, là par contre, c'est... Maintenant, t'es en ligne. Et quoi, si je réactive l'option, c'est bon? Ah bah vous avez eu mon avec mail maintenant. Et ça je mets 100. Bah voilà mon mail hein. Putain je comprends bien, j'en ai rien à foutre. Si jamais hein. Si jamais. Ah je peux te rejoindre. Bah comme ça j'ai plus à masquer le jeu. Ok. Voilà. Je te rejoins. Parce que là je crois que j'ai mis multiplateforme ok mais matchmaking non. Oula, ah ouais. Une erreur inconnue s'est produite mais je rejoins. Ah bah ouais, j'ai eu ça tout à l'heure, enfin hier. Et pourtant ça m'a quand même rejoint. Oh je vais tourner partout autour de moi en mode je vais le voir. Mais attends, ça va peut-être pas encore assez chargé. Ouais, peut-être que tu vas apparaître d'un coup. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sauf si là tu vois déjà des gens apparaître. Non, pour l'instant je vois personne, c'est sûr je vais te voir d'un coup. Waouh. Ouais, ça va. C'est qui ce connard? Vous êtes qui vous avec votre canne à pêche de merde? Elle est nulle votre... Aïe. Bon, y a un mec, ouais. Y a plusieurs mecs là. Putain. Oh les fumiers. Non. T'as quand même pas baisé. Putain non pas ça. Quel choke. Je recommence à te rejoindre. Je vais y arriver. Les gars c'est pas le tuto on l'a fini. Là ce que vous voyez c'est plus le tuto, ouais, c'est d'autres trucs. Dommage. Est-ce que t'es en train de suivre une mission? Interagissez avec le panneau pour appeler un bateau. Moi j'ai techniquement j'ai fait, oui. J'ai fait arrêter de suivre la mission sur toutes mes missions là. Au tu peux faire où. Ça? Ouais, comment au cas où. Regardez les beaux poissons. Comment tu fais? Tu vas dans journal et sur les missions tu fais entrer. Il y a marqué en bas si tu peux arrêter de la suivre. Arrêter de suivre la mission. Ouais. D'accord, ça se trouve ça va aider là. Je pense pas mais pourquoi pas. Alors. Dans ce cas, je réessaye. Apex Connect. Vas-y. Rejoindre. Ah, désolé, les gars, ça a marché hier. C'est juste, ce serait forcément mieux si on était deux, c'est tout. Ah donc oui. C'est dommage que ça marche pas. Parce que si on le fait en solo, bah on peut, mais. Mais quel dommage. Hey Buck, if you need me, I'll be down. Voilà, Clayton, ne parle pas trop. Sacré dans une pipe, mais c'est que je ne te vois pas. Hein. Et là, si t'essaies de me rejoindre, moi là. Ah, mais attends, mais j'ai un autre objectif, se rendre au moulin haut, mais j'ai jamais demandé ça. On voit pas les mêmes gens. Non, je pense pas. Putain, y'a du monde autour de moi en plus, hein. Terrible. Bon, je réessaye de te rejoindre, je pense.
Ok, et après je réessaye moi une dernière fois, la dernière de chez dernière. Copium, j'y Première, je suis crois pas pas. gourmand. J'y crois pas une seconde. The float fishing guru from Taylor Tackles is here to tell you what's what and who's who. Relancer tous les jeux. Ok. Bah, je vois pas ce que ça va changer hein, de relancer, puisqu'on arrive quand même à rejoindre des sessions avec des gens. Essayez en même temps. Ah! Allez! Je te vois! Hé! Je te vois! Hé! Je te vois! Je te Hé! vois! Hé! Wouah, la Hé! dinguerie! Waouh! Wouah! Ok, je quitte. Ne, On on fait tout touche plus, seul. on touche plus à rien. On touche plus à rien. Oh, imagine. Ouais, non, là, on bouge plus, là. Oh là 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 là. Waouh! Wouah! Wouah, Oh. doucement quand même, doucement. Ah, ok. On va pas On va s'embrasser mettre non un, plus, quoi. voilà, un périmètre d'écart, On va y aller voilà. doucement, on est ici pour pêcher, quoi, doucement. Ouais, entre bro, quoi, entre hétéros qui se kiffent juste en tant que potes. Ouais, tranquille, quoi. Putain! Après, entre bro et hétéro qui se kiffent, on peut juste faire une petite balade en bateau pour commencer, quoi, Voilà, après. ça veut rien dire, donc Ça veut c'est vraiment rien parti, dire. quoi. En plus, j'ai mon Lionheart 500 Sport. Comment t'as ça alors que moi j'ai Ah, je ça sais aussi? pas, non, je pense que tu l'as aussi, ouais. J'ai le droit de monter? Ouais, viens, on passe Oh à là! G. Ok. Zoom! Waouh, la Lion Sport! Attends, je regarde s'il y a d'autres mecs sur le serveur. Ouais, il y en a, on peut leur casser les couilles! Attends, vas-y! Demi-tour, pendant On que j'en va ai un qui pêche! pêcher leur poisson. Vas-y, tout droit! Ah, Là, je il y vois en a sa un ligne! sur la Je vois gauche, sa ligne! tu le vois? Je crois que je vois sa ligne. C'est Hey! lui là! Hey, Avec ton numéro! pseudo de merde! Hey, 76, 56, 11, Hey! 98, hey! T'avais qu'à avoir un autre putain de pseudo, Drift! Alors, ça mord? Et ben voilà, c'est bon, on a trouvé un passe-temps. Attends. Ah, mais tu sais qu'il y a du monde sur la map, mais ils sont vachement loin. Fais voir. Oh. Hey, tu sais, Tu regardes tout en bas? tout à droite, il faut absolument qu'on aille. Tout à droite, il y a la ville fantôme. Il y Ah ouais? a les Comment sources tu sais chaudes. ça? Oh mec, viens, on va aux sources Les chaudes sources chaudes! à deux, on y va Vas-y, à c'est deux. même plus un jeu de pêche, vas-y, fonce! Viens, attends, j'ai mon objectif, suivre la source chaude. On va prendre la voiture. On n'a pas encore Mais tout. pêché, on n'a rien à Toujours foutre. entre. Ouais, pardon, c'est l'objectif, c'est de pêcher, vous Eh, vous inquiétez savez quoi? pas. On pêchera aux sources chaudes. Attends, je vais débarquer ici. Les sources chaudes, c'est bien l'endroit où, tu sais, généralement, tu te mets nu, l'ambiance, c'est un peu torride. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est nickel entre bro et hétérosexuel, parfait! Parfait, super mec. Alors, on va Attends, prendre la faut prendre la voiture. bagnole! On peut faire des chamallows ici. Quelle dinguerie. On pourrait aider des gens pour qu'ils viennent faire des. Oh putain, mais la Aïe aïe dinguerie! aïe aïe aïe. On pourrait faire des soirées au coin du feu, on On pourrait raconterait des histoires. faire des concours de pêche avec des abonnés. Et genre, celui qui a trouvé le plus petit poisson, il est banni. Des bars! Ouais, des. Putain! Des bars! Serait excellent! Me parle pas, toi, ta gueule. Ouais, il parle trop, lui. Merde, c'était pas ici les voitures, c'était là. Location de voiture. On va prendre la livrée voyage. C'est parti! Je conduis! Je peux pas conduire, putain de bâtard, c'est ta voiture. Mais non, tu peux prendre ta propre voiture aussi, mais bon. Non, on va à deux. Aïe! Bon, Ouais, ça je vais commence. conduire sinon, hein. Alors, attention, il y a des bisons. Mais on n'est pas là pour chasser. On va passer par là. Oh, moi, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un petit fusil au cas où, quoi. Il m'emmerde le garde forestier là. Lâche-moi avec ton truc. Bon, Tu sais où c'est? Parce que là, c'est. Y a pas alors de route. c'est pas une route, mais t'inquiète. C'est. Alors, t'inquiète pas, je venais ici tout le temps quand j'étais gosse. Je connais. En voiture, t'y allais? Ouais. Avec papy qui avait 3 grammes là. Qui allait à la pêche. Oh, la faune, la C'est pas flore. le chemin. Mais si, c'est le chemin, tu vois bien l'objectif est par là. Mais on est coincé là. Ouais, on était un peu sur une souche. Mais tranquille, on a bientôt. Bon, il y avait une route, mais il me donne pas la route à suivre, il me donne juste Mais non, mais l'objectif. là c'est pas GTA San Andreas, là on peut pas faire du hors-piste. Si, tu vois bien que ça fonctionne. La visibilité est affreuse. C'est vrai que la moitié de mon écran, c'est la voiture, c'est horrible. Moi je vois bien, ça tremble un peu par contre. Ah, voilà. Ah, par contre, si les sources chaudes sont en haut de la montagne, il va falloir prendre une route, hein. Oh. Ouh!
Mais tu sais qu'on irait plus vite sur une route. Mais j'aimerais bien avoir une route. Regarde la carte, indique-moi une route. Mais c'est où les sources chaudes? Rends-toi utile. Il y a pas de pile, je sais pas où c'est les sources chaudes. Les sources chaudes, c'est le point tout en haut à droite, on va dire. Il y a pas de point. Non, mais il y a un point d'intérêt. Il y a une mission, c'est une mission. Ah non, je l'ai pas moi. Ah, t'as pas ça. Alors du coup, c'est. Non. C'est difficile à dire. À dans notre tous les droite... cas, peu importe, ta route elle est à gauche. Et t'es dans la merde parce que mec, où est-ce que t'es fourré pour récupérer la route? Attends, je regarde la route. Ah ouais. Ah, il faut qu'on prenne cette route. Ouais, vas-y, vas-y. On se fera moins chier si on va à la route. Mais il va falloir rouler jusqu'à la route là, parce que c'est loin. Hein. Y a un meilleur moyen de la rejoindre? Oh. Non. L'hélicoptère. Attends, c'est plus un jeu de pêche. On s'est fait baiser. Non, mais vous verrez, quand on arrivera aux sources chaudes et qu'on pourra pêcher les poissons des sources chaudes, ça fera moins les malins. Tu sais qu'on n'a pas des appâts de fou furieux, hein? Ouais, c'est ça le problème. Je me demande si on va pouvoir pêcher que de la merde. Ou si ça va... Ah, je suis embourbé, est... si tu peux décoincer la... Tu veux? C'est bon. Bah, je suis pas musclore, hein. Je vais pas décoincer une baguette de 3 tonnes, hein. Ça va, ça va. On y est presque. Elle est où, là? Eh bah voilà! La route est censée être juste devant. T'entends? Non. Il y a des singes. Bah là, il meugle plus, mais il y avait des singes. Terra... C'est... Attends, j'ai quoi? Il est malade, hein. T'as un problème, hein. Des singes. Mais c'est sûr que... Des oiseaux, c'est pareil. Ouais, 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 voilà. Et bah voilà la route. On aurait dit des singes, rigolo. Bon, et alors, la route, je sais regarde... pas où sont tes sources chaudes, mais j'imagine que c'est le bon chemin. Ouais, c'est le bon chemin. C'est qui nouvelle ça? Nouvelle destination de voyage rapide. Et bah nickel. Attends, faut prendre le pont ah ou pas? Faut prendre le pont. Et bah on pourra venir en voyage rapide ici. Bah c'est nickel ça. Bah c'est super. Maintenant j'essaie de trouver comment on fait disparaître les notifs de mission en haut à droite. En haut à gauche? Ah non, en haut à droite. Ah ok, j'en ai pas. Je vais se rendre au moulin d'eau. Journal, il m'emmerde. Ah! Il y avait marqué un truc sur le panneau, j'aurais dû m'arrêter. Ça a changé maintenant. Alors je regarde la carte. Alors c'est tout droit et sera la prochaine à droite sur un grand axe. Tout droit, ouais. Oh là, et là il y a eu un bruit de gros animal, hein. Ah bah tu vois, je suis pas fou. Ça fait. Je sais pas ce que c'est là. Il y a des bisous qui peuvent nous charger, on peut mourir dans le jeu. Je sais que quand tu vas dans l'eau, c'est un peu la mort. Mais après, ça rentre par là. En plus, y a pas de joueurs aux sources chaudes. Non, il y aura que nous deux. Ouais. Bon, ça marche. Alors, on va tourner à droite, ici. Voilà. Vraiment l'ambiance, le soleil qui se couche, il n'y a pas de musique dans la voiture, juste le bruit du moteur. Après toutes ces années, enfin la lune de miel. La lune sucrée. On est presque arrivé. Ouais, je te crois. Ah, je te sens douter un petit peu, donc on est presque arrivé. Il va m'abattre dans les montagnes. J'ai un petit chalet tout en haut de la montagne, y'a pas d'électricité, y'a pas de téléphone. J'ai pas amené de maillot de rechange, hein. Ah, c'est pas grave. Oh. Logiquement, ce... Oh là. C'est pas pour les voitures, ça. On va aller sur ce chose à pied, partage d'ici. Allez. Oh, il y a des bruits de moustiques. De toute façon, c'est interdit aux bagnoles après. Alors, ce serait ça, les sources chaudes. C'est possible. Ok, hein. Je voyais ça plus sexy. Bah, plus aménagé. Mais il y a un côté un peu ville, je crois, un peu plus loin peut-être. Enfin, il y a des grands axes, il y a des routes. Donc, peut-être qu'il y a des. Je pense qu'il y a un endroit où il y a. Mais attends, c'est moi où ils ont essayé de faire une espèce de brume et il y a du flou.
Oui, c'est ce que je pensais. Je suis regardé un autre point, mais du coup, ça fait flou. C'est moi où il fait très chaud. Ah non, c'est des vapeurs. Ouais, c'est les vapeurs, c'est ça. Il fait ce oui, qu'il fait chaud. Oui, ça bouge. Ouais, donc on est vraiment... Ah, c'est vraiment les sources chaudes. L'histoire locale. Ah, putain. Oh, ouais, c'est paranormal, ça. Je pense qu'on a bien fait de venir ici. Bah... Waouh. Et c'est pour éclairer ce grand rocher. Ouais, voilà. Une photo. Attends, attends, remets-toi. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon. Ok, tu bouges plus. Cheese. Putain, il est trop fort. Incroyable. Pour toutes les situations, hein. J'ai tout, hein. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve le marchand par ici. Est-ce qu'il y a une petite ville? Est-ce qu'il y a des aménagements, là? Ah oui, là-haut, il y a un chalet. Putain, par contre, c'est un peu mort ici, non? T'as vu les arbres? C'est source morte, hein. J'imaginais pas trop les sources chaudes comme ça, moi. Hein. On peut pêcher au moins ici? Tous les poissons sont morts. On va arriver au chalet, on va trouver deux cadavres. ça va être horrible. Au moins débloquer le point de téléportation. Ouais, il y a des bruits de moustiques en plus, vu que c'est marécageux un peu. C'est atroce comme endroit, c'est pas romantique. Enfin, je sais que tu voulais pas créer de la romance. Les hot springs recèlent une grande richesse naturelle. Ouais, ouais, bah ouais. J'imagine bien, ouais. Mountain men exploring the area came back with tall tales of bubbling mud, steaming rivers. Non. Leading to high ridicule from there. C'est pas chez nous. J'ai monté de niveau sans rien foutre. Oui, moi aussi. Yeah. L'esprit de petit nuage est en moi. Bon bah comme je le pensais, c'est complètement inhabité. Attention, des ours. Maman ours et petit ours peuvent être dans la zone. Bon bah vas-y, on essaie de pêcher un poisson. Mais dans les sources chaudes, y'en a pas, ils sont tous morts. Tu veux pêcher quoi? Ils sont tous en surface, ils bougent plus. Non, 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 moi je pense qu'il y a des poissons rares ici. Ça vaut le coup d'essayer. Tu vois, y'a un mec qui dit... et des diamants ici. Ah ouais, ça y est, lui il s'occupe plus des poissons, il veut de l'or. Dans les sources chaudes, normalement tu peux avoir des tilapias. Aucune idée de ce que c'est, mais... Sous ta gueule, le tilapia, c'est un moustique. Hey Clayton, tu parles beaucoup, je trouve. Est-ce que... Ouais, ça me semble compliqué qu'il y ait... C'est tout beau et tout. Non mais là, tu vas pas me dire qu'on pêche ici. Regarde. C'est de la vase. Je vais te prouver que t'as tort. L'ambiance. Ouais, je vais te prouver que t'as tort. Attends une heure ou deux et tu vas voir. Dans une minute, tu vas voir. Par contre, carrément, tu vas te baigner, tu vas le chercher à main nue. Oh, quoi. Merde. T'inquiète pas, ça va. Tu vas jamais mordre, mon con. Ça va mordre. Mais jamais. Ouais, ça a bougé. Non. Non, ça a pas bougé. T'as mis un appât? Ouais, ouais, j'ai... T'es sûr que t'as mis un appât? T'as, il me fait douter. J'ai pas mis d'appât, moi, par exemple. Attends. Ah mais c'est quoi, ça va peut-être mordre. Mais attends, je vérifie. Comment on... Ah j'ai mis du... Comment okay, on check sa canne à pêche? C'est bon. Ah oui, comme ça. Et là pas. Là tu vois, moi je le vois, mon petit asticot qui se balade au bout de ma ligne. Donc je sais que j'ai un appât. Attends. Appât. Moulinet. Je prends ce moulinet là. Je vais même prendre cette canne là, je vais changer ma canne. Monofilament, bulle. T'as plusieurs cannes? Et bah crois-moi que j'ai ouvert mon casier et qu'est-ce que j'ai vu? Une deuxième canne. J'ai pas hésité. À la une. T'as pris un verre de vase ou du pain? À la 3. J'ai pris un verre normal. Mais t'as combien de types de verres et d'appât et de cannes? Bah moi dans le tuto ils m'ont donné du pain. Oui, c'est ça, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai un verre ou du pain. Non, mais ouais, moi aussi, j'ai un verre ou du pain, c'est ça. Confirmé. Bah voilà, normalement c'est bon. Bon bah. C'est vrai que j'entends l'eau bouillir, ça m'étonne. Oui, ça bouge. Mais comment? C'est les seuls poissons qu'il y a ici, ils sont au bain-marie, je veux dire, ils sont en train de cramer là. Je pense. Ça m'étonnerait. C'est des fins douces là.
Il y a... Vraiment, les pêcheurs du dimanche, dans les commentaires, ça va insulter. Ils vont pêcher dans des sources chaudes, quand même. Hein. Ça va insulter fort. Avec des lignes de 12 et des asticots pour embêter, mais ils se rendent pas compte. Un verre de vase dans une eau à 50, non mais on aura tout vu. Après, on peut se re-téléporter au début. Hein. Non, non, tu dis que tu dis qu'on peut pêcher ici, on pêche ici. Mais non, mais ça va me retomber dessus. On va attendre 5 minutes, on aura rien. Et on va se... Ah. Non, mais ah. L'important, c'est les moments partagés. L'ambiance. Eh, touche-moi avec ta canne. Je peux pas, je suis au max. Oh. Ah, t'as une toute petite canne, en fait. T'as vu, moi, comment elle est gigantesque. Fais voir, ta canne, lève-la. Bon, bah, c'est une illusion, elle est pas si grande que ça. Oh, regardez. Non, c'est pas possible, elle est minuscule, ta canne. Non, non. Je vois la t'es tienne. Et elle est pas si grande que ça, mon gars. Franchement, c'est pas possible, là. Et de toute façon... Vas-y, j'ai une canne de chair. Et toi, t'as une canne de sang. Attends. Ça veut dire quoi? Tu sais pas ce que c'est? Non. Tu sais pas ce que c'est de chair ou de sang? Je crois pas. Ah, les gens, ils savent, je pense. Vous savez, dans le chat? Je crois qu'il y en a qui l'ont, ouais. Ouais. Eh, hey, ça marche pas, y'a... J'ai une canne de chair et il a une canne de sang. Non, j'ai une canne de sang. Voilà. Vas-y, au moins on change de bassin. Là, c'est sûr qu'il y en a pas. Bon, bah, je remonte. Putain, mais tout le monde là, j'ai le seum. Je suis trop vieux, c'est ça? Non, c'est connu. Moi, je sais que dans la vraie vie, j'ai une canne de sang. Mais comme beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Alors, toi, t'as une canne de chair. Bon, bah, bravo pour toi. Super. Sauf que ça impressionne personne une fois que tu es en train de pêcher. Parce que du coup c'était comme ça de base. Bah super. Canne de... C'est une référence à la queue. Non mais j'imagine bien. Mais qu'est-ce que c'est à dire? Ça veut dire quoi? Attends, ici il y a peut-être plus de chance? Oui, pourquoi? Parce que c'est turquoise, c'est à cause de la pollution. Hein. C'est les usines qui rejettent leur eau polluée ici. Ah, c'est normal cette couleur là? Bah c'est ce que je viens de te dire, c'est les eaux polluées. C'est craignos un peu là. Hein. Ah, je déteste ce truc de fils de pute. De quoi? Les moustiques dans les oreilles. Ah, c'est honteux, hein. Ça, c'est un beau lancer. Si ça, c'est pas récompensé, les amis. Non, mais attends, faut que j'essaie de deviner. En gros, c'est en rapport avec la queue. C'est genre si elle est... Attends, de chair ou de sang? De chair ou de sang. Sachant qu'on a les deux, si on est normalement constitué, mais... c'est l'orientation? Non, l'orientation. Ouais. C'est de chair. C'est la... Alors la circoncision. Mais non. Mais je vois que c'est déjà un peu plus logique que l'orientation. Bah je sais pas, je dis tout ce qui peut. En plus, ça veut dire que personne te poucave dans le chat. Ah, c'est genre si tu bandes ou pas? Non. Oh, putain, sérieux, j'étais sûr de moi là. Oh, le best of patch, il va être pas mal. Hein. Ah bah, Epic, désolé. Hein. Vous savez, Epic, quand on pêche, il faut discuter de tout. Hein. On est en train dans, de. Dans le chat, vous êtes plutôt canne de chair ou canne de sang? Je sais que la majorité, c'est une canne de sang quand même. Ah, ça existe vraiment de chair ou pas? J'ai vu dans le chat. Mais attends, j'essaie de comprendre du coup. Ouais, les gens sont tous sans. Sans égale petit au repos. Mais gigantesque. Non, gigantesque, okay. Pas forcément dire gigantesque. Ok. Et de chair, c'est genre big truc au repos. En fait, mais pas beaucoup de différence avec. De chair, c'est que ce soit ou repos ou bien costaud, c'est la même chose en fait. Ouais, je vois. Donc, et sang, bah c'est. C'est Adion, elle s'appelle pas de mine, mais. Oh, je pense que c'est sang pour beaucoup de monde quand même. Ouais, en fait, j'ai déjà vu on se casse. Pas en vrai, mais c'est vraiment une catégorie de personnes bien précise. On se casse, on va. On retourne à l'avant-poste du début, non? Ok, toi, tu veux aller voir I Wanna Heal.
Très bien. Ah non, 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 attends, tu sais par là où on était passé? Ah bah non, j'ai fait voyage rapide. Il y a un voyage rapide là où on était passé, comme ça on sera tout seul tranquille. Tu veux pas être avec Ewan Ahid? Je pense qu'on peut rejoindre. Attends, attends. On peut rejoindre Chase et Hilton, ils sont en train de pêcher tous les deux. Et tu sais, on dit rien, et on y va. Attends, j'arrive. Ils sont. Attends, j'espère que, j'espère que ça nous a pas changé de serveur hein, par contre. Non, c'est bon. Non, je suis avec toi. Ok. Mais ils sont tout en bas, mais je sais pas comment faire pour y aller. Ah, si, il y a une route. Si, il y a une route. Attends, mais ils sont loin. Mais on dit, il va falloir couper. Ouais, ils sont tout en bas. Prendre la bagnole. Ah, mais tu casses les couilles. Mais ouais, putain, mais c'est beaucoup trop loin. En plus, faut. Mais regarde, genre, tu sais, ils sont. Eh, on dit rien. Ils sont en train de pêcher et nous, on y va. Tu sais qu'il y a une route de fou à prendre. Ah, oh, elle est tout en bas. Faut prendre l'allonger. Le pont. Faut prendre le pont. Non, il y a une route en bas. Là, de partir de là où on est, on prend celle qui va tout en bas. Et ensuite, on coupera à droite par la montagne. Tu vois qu'on pêche, un poisson avant d'y aller. Ok, si ça peut te mettre en jambe. Mais après, on va les rejoindre. J'ai envie de un poisson. Le bateau. Ah, ils ont raison. Attends, les cons, on a un bateau. Ah, mais non, ah, ça change rien. Ça change rien, mais. Non, ça ne nous ça pourrait pas. Nous aider. Bah, on peut zigzaguer, ça revient au même en avec fait, la voiture, mais on peut prendre le bateau. J'ai si une idée. On pourrait aller là, et après, on sort en bateau pour aller plus bas. Ouais, j'ai une bonne idée là. Je pense que j'ai une bonne idée, on va faire ça. On va se mettre sur le ponton. Bon, et bien que le meilleur gagne. Tu sais, la pêche, c'est pas une course. Ouais, mon cul. Allez hop. Et déjà. Bon, on va rien dire, mais déjà, il y a une différence de technique, quoi. Bah, c'est la pêche au court. Toi, t'as décidé de jouer la distance, alors que le menu fretin, c'est toujours en bord de ponton. Mais bon, ça, tu l'aurais su si t'étais un vrai pêcheur. Oh, ça fait des glouglous, là-bas. On croise pas les cannes, ça porte malheur. On ne croise jamais les cannes. Moi, je suis fasciné par mon fil de pêche qui touche l'eau. Je le bouge dans tous les sens et ça fait des petites vagues sur l'eau. Oui, bon, on s'occupe comme on peut. Là, on a zéro. Je vois des petites bulles, mais c'est plus loin. Alors, est-ce qu'ils vont venir? Y a un problème, c'est que je vois. Ah, si, mon flotteur est juste là. Ton bouchon toi, est penché. Tu sais quand est-ce qu'on doit tirer? Bah, le jeu te le dit normalement, mais. Oui, mais c'était pas le tuto qui nous le disait. Là, ça se trouve, ils vont plus rien nous dire. Ah, t'imagines? Ce serait un peu chaud, hein. Deux belles cannes de sang comme ça qui pêchent face Allez, à un là. Si beau paysage. Belle canne de sang, là, entre potes. Putain, il y en a un contre, pas pourquoi loin, ça mord pas, là? Eh, ça mord zéro, hein. En fait, t'as vu, il y a un poisson qui saute derrière, carrément. Ton bouchon doit pas. Être droit. Mais c'est des conneries, ça. T'as pas d'appât. Si, j'ai vu, il y avait un verre. T'as pas assez de fond. Attendez, on voulait qu'on. Bon, je remonte la ligne. Qu'est-ce qu'ils me veulent comme fond? Je peux mettre ça comme fond. 40 mm. Non, 30 c'est bien. 30, comment, comment tu le changes? Bah, avec la molette. Ah ouais. Ah. Ah ouais, mais ça je connais pas. Une. Je connais pas. À la 2. Mais tu mets à 30, c'est bien. Et à la 3. J'ai mis 20. Voilà, le flotteur, on va le laisser. Nickel. Tu étais à 20. Ah, je vais pas laisser à 20 alors. Ton plomb est trop léger. Qu'est-ce que vous racontez là? Ah, parce que vous voulez que mon bouchon soit... Non, sérieux? Non, j'ai tout foiré ou pas? Non, tu fous de ma gueule. Attends. J'ai... Non! Non, arrête! Allez. Lâche-le! 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 Oust! Il te piège! Il te piège! Non! Oh! Je vais casser ma ligne! Non! Petit poisson! Oh, je vais croiser les lignes, je vais croiser les lignes pour le sauver. Putain! Oh le fumier! Oh, il saute, il saute et tout! Il saute! Et il a de la force, hein! Il a de la force, hein! Allez, allez, putain, allez, allez, allez! L'enfoiré, il est en train de le faire! Oh, il lutte, hein!
Oh, il lutte. Oh putain, mais oh, je vais lutte. La casser, je vais la casser la ligne. Oh, comment il est en train de te baiser. Alors, mon doucement. Ah, attention. Mais c'est quoi comme poisson? Mais mec, j'ai jamais vu un truc comme ça, c'est un poisson énorme que j'ai. Hein. J'ai pêché un requin marteau. Quand même, en plein Wisconsin, au mois de juillet, c'est incroyable. Fils de pute, je me suis dit, c'est qui fait du bateau à côté de nous? Fuis, petit poisson, fuis. Espèce de gros. Il va me niquer mon. Si je nique ma ligne. Attendez, je me gare, hein, désolé. Hein. C'est ma place de parking, vous avez. C'est pardon, ma place. Excusez-moi. Vous n'avez qu'à pas pêcher ici. Oh non! Je vais pas y arriver, mais il lutte ce fils de pute! Voilà, c'est juste là. L'enculé. Désolé, hein! Ah, oh, je suis juste au bord. Il est juste au bord, là. Allez! Attends, allez! Pourquoi ta ligne, elle va derrière? Non, il saute! Putain, mais t'es tombé sur un poisson de fou, là! Mais il est gigantesque, je peux pas. Le mec va péter si je prends trop de. Ah, il est toujours au même point! Ah, c'est bon! Le suspense est. Si tu vois! Une truite arc-en-ciel! 71 kg. 0,71 kg! Ouais, 71 kg. T'avais jamais eu ça? Mec! Tu peux me la montrer? Grosse. Tu peux me la montrer ou pas? Tu peux l'exposer? Genre. Affiché dans l'interface. Bah, j'ai pas. Bah, je l'attends droit qu'on va piquer devant moi, mais. Je peux pas, je peux juste relâcher. C'est un multi qu'on puisse pas se voir nos. Ouais. Là, je peux juste te dire que c'est une truite arc-en-ciel niveau bronze. Elle putain. Fait presque 1 kg. Elle fait 0,28. Bah, elle fait 30 cm quoi. Ça donne envie, putain. Ouais, c'était super dur à avoir. Hein. J'ai bataillé. J'ai hein. J'ai l'impression, ouais. Attends, y'a un poisson là-bas. Dans la réalité, ça se remonte en 2 secondes et Moji qui pleure de rire. Ta gueule, connard. Le bâtard, il a chié sur ta découverte quoi. Il y avait un poisson juste à droite là. Allez. Terra, pour un poisson comme ça, les 5 minutes que t'as passé à pêcher, ça paraît ridicule. Mais pourquoi j'ai lu ton message en entier qui était écrit en majuscule? T'as dit ta mère, t'es bodo en plus. Mais il va te faire enculer. Vous le bannez lui. Et du coup, ton truc il était penché, c'est des conneries ce qu'ils disent? Quand ça, mon truc il était penché, c'est dire quoi? Le bouchon là. Oui, sur l'interface, il était penché, mon bouchon. Mais tu verras, ça mort. Mais t'es trop près, là. Bah non, regarde. T'es trop près. Mon truc, il est là-bas. Ah oui, c'était ta ligne, en fait, qui était ouais. Qui touchait la flotte. Mais 50. Vous vous foutez de ma gueule. Écoute, conseil de pêcheur envers un amateur. Moi, j'ai mis ma ligne à 30. Avec un appât classique, d'ailleurs une canne à pêche tout à fait modeste. Hein. C'est un bâton avec un fil au bout. Hein. Oh c'est quoi? Ça a sauté là-bas. J'ai mis 50 et je vais te prouver que t'as tort. Bon bah il est 23h. Oh il y en avait un juste devant là. Et 23h. Je te souhaite d'avoir une aussi belle truite que moi, une truite arc-en-ciel je le rappelle. Je veux un poisson là. Allez. Surtout que moi j'ai pas d'autres canne à pêche, je suis dégoûté hein. Je sais pas ce que tu vas voir ton casier, va dans les maisons là-bas, il y a ton casier, tu peux prendre ta canne à pêche. Je reviens de toute façon le temps qu'il est. Bah c'est qui ça? Curves Grey 77 qui pêche à côté de nous. Oui, il est sur ton terrain. Eh, hey, dégage là. Il est con lui ou quoi? Ta canne et ton fil sont trop petits, tu vas galérer avec des sardines là. Je t'avais dit que ta canne était trop petite. Ta canne 200. J'ai réussi à avoir une truite arc-en-ciel avec ça, donc bon. Retends la ligne. Voilà, elle est tendue, hein. T'es mort. Mais alors où est-ce que t'as trouvé la maison? J'arrive pas à savoir ce que c'est la maison. Attends, je trouve mon poisson, il fera nuit, quoi. Il fait nuit. Un peu, ouais. Ah, moi j'ai quand même la lampe torche allumée. Ah, c'est vous! Mais vous êtes une vendeuse, je. Personnalisation. Ah non, c'est pas du tout ce que je veux.
Mais c'est un truc de ouf. On peut acheter des véhicules. Oh frère, les bateaux de fou. Ouais, ouais, quand t'as du fric, y a des gros bateaux et des grosses voitures, hein, des trucs stylés. Oh les voitures, mais attends. Moi je vais économiser, hein. Hey, on est d'accord, de pêcheur à pêcheur, la Romulus I-934, c'est quand même du beau matos. Je sais pas si je me la prends. Ah, allez là, le spinning, le bait casing, le match, je sais même pas ce que c'est tout ça. Pourquoi moi j'ai rien? Mec, il y a trois types de canne à pêche différentes, c'est oui, quoi? Oui, et je connais pas, a... et je connais pas ce que c'est. Il y a le spinning, le bait casting, le match. Ouais, ouais, il y a différents styles. Spinning au flotteur, spinning au leurre, spinning avec jig. Go casting pour leurre. Le bait casting. Rajoute du plomb pour la pêche. Mais j'ai pas ça, je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il me parle, mais je vais en acheter une. C'est bon, c'est acheté. Oh mais il y a des moulinets et tout. Et des leurres. Oh, oh c'est... Là, là. Attends, me dites pas qu'il a chopé un truc là. Putain, ça c'est de la... Oh là là. Oh putain, il a mordu. Oh, c'est une énorme... Oh, elle est énorme. Énorme. Elle est énorme. Oh, putain, faut pas que je foire. Il a mordu. Allez. Allez. Putain, ma canne à pêche, elle est de compétition, gros. Il lui fait aucun... La ligne, elle est pas du tout tendue. J'ai l'impression que mon stuff, il est trop fort. Oh, ouais, bah moi, oh, j'ai lutte, fait ça en amateur. Il lutte. Hop, changement de direction. Oh, je sens qu'elle va être gigantesque. Combien, toi, de grammes? Allez! Bonsoir! C'est pour vous prévenir qu'on va bientôt fermer. On va fermer le port, donc... Dégage! C'est dépêchez-vous! Bon, dégage! Enculé! Oh, il est minuscule! C'est une sardine! Il fait la taille de ma main! Ah, mais je le vois dans ta main! Pourquoi, toi, tu voyais pas le poisson dans ma main? Moi, je le vois, il est tout petit! Il est minuscule! Il est tout petit, c'est quoi? C'est un poisson de sang. Il est ridicule. C'est vraiment un, ouais, c'est vraiment un poisson de sang, par contre. C'est une perche chaude novice. 0,07 kg. Attends, bouge pas, parce 13, que je pense que je... 13 cm. Mais là, il est ridicule. La taille du bousin. C'est honteux. Je prends un screen. Combien il pèse? Moi, le mien, il pesait près de 0,7 kg, je crois. Il pèse 7 grammes. Relâché. Comment ça relâché? Ouais, on a pas le choix, on les relâche. Oh oui, de toute façon, je comptais le faire. Pas de problème. Bon bah, d'accord. 70 grammes, pardon. 70 grammes. Bah, par sinon, contre, ça je vais vraiment faire de la pêche au leurre. Ça serait très léger. Ce serait du plancton. Je vais aller lui acheter un truc. Alors, j'ai acheté le truc qu'ils m'ont dit là. Mais du coup, il faut du plomb. Attendez. Parce que j'ai comme canne à pêche, j'ai... Bah c'est où mon sac à dos déjà? Ok. J'ai une Thunderfoot pour le bait casting. Le bait casting. Et du coup, il me faut quoi pour le bait casting? Il faut un genre de... Quel genre de leurre il me faut pour ça? Oh là, quoi? Tu vas chez le marchand, là? Ouais, je vais aller chez le marchand. Je sais plus où aller. Et où la dame qui vend les choses? Et tu sais, tu fais en fonction du poisson que tu veux ou tu fais... Ah non. Je t'en juste qu'il me donne des conseils. Mais de pêche. Comment tu sais ce que... Genre les gens là ils vont te dire ce que tu dois prendre. Oui j'attends. Un moulinet déjà. Mais non mais le moulinet il est vendu avec la canne. Ils ont quand même pas vendu une canne sans... Mais si. Je crois que j'ai bien acheté un lit sans sommier donc... Il y a différents moulinets. Il te faut un moulinet fil et bas de ligne en 15. Genre là mon moulinet c'est un spinning. C'est une blague. Ah j'ai deux spinning. Déjà elle est où la vendeuse? J'en peux plus. Mon filament. Ouais là, attends la vendeuse là. C'est par là-bas. Non, c'est en dehors le moulinet. Non, c'est pas ensemble. Vous êtes sérieux? Ils vendent des cannes à pêche sans moulinet? C'est vraiment un truc de bâtard. Eh, le milieu du pêcheur, c'est vraiment un milieu d'enculé quand même. C'est comme Apple qui vend pas les chargeurs avec, quoi. C'est vraiment... Ouais. Ça a changé le milieu de la pêche avec les années. Ok, donc du coup, je vais dans les moulinets. Vous rigolez? Déjà, ça coûte super. Le bait casting, j'ai pas assez. Voilà, fin du rêve. Voilà, Romulus. J'avoue, la Romulus. Les moulinets de bait casting, mec, c'est 200 pièces d'or. Minimum. Mais c'est quoi tes moulinets de.
J'ai acheté une carte, tout ce qu'il y a de plus modeste, une carte basine de bait casting. C'est bait casting. C'est bien bait casting, il faut. Je l'ai acheté, sauf que je cherchais pas. Le moulinet coûte 200. Mais ouais, mais moi je peux l'acheter le bait casting. Attends, le truc c'est qu'il faut la canne de bait casting et le moulinet. Bah oui, c'est ça que je te dis. Putain, mais bordel. Ouais, c'est trop. Du coup, il faut qu'on fasse un peu de thunes. Ah, mais pour faire des thunes, il faut pas faire des missions. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme leurre? Là, avec, actuellement, avec la canne qu'on a, la Green Hole. Oh, mais il y a trop de trucs. Qu'est-ce qu'il nous faut comme hameçon, appât, flotteur. Oh, ya. Là, les gars, on n'a pas full thunes, donc je pense qu'il faut qu'on tape dans les leurres, j'imagine. Il y a différentes tailles d'hameçon, c'est incroyable. Tu peux acheter une petite grenouille. Ouais, t'as vu? C'est dingue. C'est pour chasser quoi? Quel poisson mange des grenouilles? Et les appâts, y'a quoi? Les aigles. De la guimauve. Oh, des sangsues. On peut pas acheter des vers? Ah si, y'a pas. Oh, je vais tellement acheter un... Oh, on peut acheter du fromage. Du bleu. Oh. Faut se retenir de le manger, hein. Oh, regarde, on peut acheter de la saucisse. La saucisse. C'est trop bon. Petit bout de knacky. Ah, c'est ça que vous me disiez, les têtes plombées, là. Ah, la dame, on peut me donner accès à mon casier. Casier. Ah, c'est lourd, ça. Ok, c'est stylé. Bah, j'ai récupéré tout ça, moulinet. Hé, hey, on a des moulinets dans le casier. On en a... C'est-à-dire... Bah, on a dans le casier, il y a différents moulinets. Alors, il y a des flotteurs. Il y a le Kria, ouais. Il y a le Kria. Mais ça, le Kria et... Ouais, c'est deux Kria, en fait. Il n'y a pas de bait casting. C'est pas pour le bait casting. Donc, on va devoir aller à la pêche classique, j'ai envie de te dire. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des appâts... Ah, il y a un autre flotteur. Bouchon de liège. Mais alors, faudrait voir... Ouais, on va dans les appâts vivants. Faudrait voir comment on gagne de l'argent. En pêchant. J'espère que c'est pas que les missions, quoi. Vendre. Il te faut une cuillère pour pêcher du un peu plus gros. Une cuillère. C'est quoi une cuillère? Je sais pas, j'ai parlez-nous vu le mot. Comme si on avait jamais fait de pêche de notre vie. Cuillère. C'est dans la catégorie des leurres. Okay, le chat. Est-ce que je prends taille de l'hameçon? Il y a différentes Est-ce tailles. Est-ce qu'on y va franco? Est-ce qu'on prend du big? Ou petite cuillère en mode... Parce que là, moi, j'ai le choix entre juste du 6, du 5 ou du 4. Je pense que je vais pas me faire chier. Je vais... Ta ligne va pas suivre. Aïe, 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 aïe. 5 ou 4 en taille. Mais les gars, ça coûte cher. Pas la cuillère, il faut une casting. Aïe, 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 aïe. C'est une casting. Je pense qu'il faut qu'on pêche un petit peu. Viens, on pêche un peu, après on achète une casting. Bah dans ce cas-là, faut qu'on achète quelques hameçons. Enfin des hameçons, moi j'en ai plus beaucoup. Hein. Attends, on fait or. Là, on a des verres de vase. Mais mec, on peut avoir des verres rouges. J'ai 9 verres, 7 bouts de pain, ça va hein. Ouais, je m'achète une trentaine de verres rouges quand même pour être sûr. Voilà. Vas-y, verres rouges, j'en ai pas donc vas-y. On y va. Et dis-moi qu'ils sont encore là-bas en train de se la couler douce entre potes. Putain, ils sont partis. Eh ben heureusement qu'on y est pas allé, on serait fait baiser. Moi je pense qu'il faut qu'on prenne le bateau. Qu'on se mette en plein milieu d'un lac et qu'on pêche. Ok, quel lac? Celui qui est là ou un autre? Bah je serais bien allé au point de... Au voyage rapide là. Qui est juste en haut à droite. Vas-y. Celui-là. Alors après je sais pas où t'es parti. Ah si t'es parti là. Ok, voyage rapide. Est-ce qu'il y a un bateau ici? C'est où le bateau? Y'en a peut-être pas hein. Si, y'a un pont là-bas, y'a un ponton, je pense que c'est là-bas. Sympa ces petites torches. Y'a des moustiques de merde. Oh, y'a une trace. Trace 2.
Mais c'est le Bigfoot. Il y a la trace de Bigfoot. Il y a un jeu annexe. Je promets, il y a la trace de Bigfoot. Regarde. Je vais signaler. Well then. Looks like Mr. Bigfoot's back in the park. If you can find me anymore, I'll put it in the visitor center next to the pond music and the fairy parties. Putain, la gerbe. Oui. Stop. Il est malade, hein. Je t'entends plus, hein, si tu parles. Je t'entends carrément plus, hein. Il est down de fou, là. Tu vas voir le Discord, vite fait. Ouais, il est sur le Discord, mais... Bah oui, mais... Ah, bah salut. Bah je me vois parler depuis tout à l'heure, en plus. Oh, re... Il ouais, troll. Non, pas. On t'entend, non, non, il troll. Ah non, non, non. T'es il un je... con. Mais pas du tout. Non, pas du tout. T'es un... Si. Non, vraiment pas. Ok, alors pourquoi ça... Bon, je te crois pas, un peu. Je sais pas. Il troll MDR, dit une merde. Mais pas du tout. Mais vous êtes c'était des merdes. C'était quoi le but de la blague en plus? C'était mais... quoi le but de la blague? Mais excuse. Vous êtes trop con, je... Il y avait zéro blague en plus. Il trollait pas. Bon, faut vraiment savoir ce que vous dites. Hein. Ah. Ma meuf vient de dire qu'elle était sur Discord et qu'elle vient d'avoir exactement le même problème. Alors maintenant quoi, le chat? Maintenant quoi? Tiens, c'est quoi cette petite... C'est une bouée, juste, tout ce qui est plus normal. Ça veut dire qu'il y a un récif en dessous et qu'il faut éviter d'y aller. Eh ben, on va s'arrêter ici. Non, mais j'en sais rien, je connais pas le codage des bouées. Équiper la canne. Mais t'as raison, on peut l'équiper. Putain, mais par contre, est-ce qu'il peut faire jour? Attends, mais on peut pas bouger de là où on est, là? Bah, on peut pas pêcher et bouger le bateau en même temps, quoi. Ouais, ça fait sens. Tu peux, toi, par contre, t'aurais pu prendre l'autre côté, non? Non, c'est grave. Je veux voir, c'est grave. Je veux voir qui mord. Il copie. Il a copié mon côté, quoi. Mais plus mais de je fond. Je l'ai fait avec du retard. Ah, j'avoue, vous mettez plus de fond parce que là, on est vraiment sur un au milieu d'un lac. Et alors? Eh bah, les poissons sont plus profonds, là. Il y a plus mais de. Ils vont revenir en surface. On va combien? On va pas faire 600 mètres de profondeur, là. Je fais des sacrés lancers, quand même. Ah ouais, bah celui-là. Pas mal. Ton bouchon n'est pas assez lourd, c'est pour ça qu'il est de travers. Il y a beaucoup de pêcheurs dans ce chat, je trouve. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut vous foutre que mon bouchon soit de travers? Eh, tous les bouchons sont pas pareils dans la nature, mais... Oh, oh non, tu vas péter un plomb. Regarde, hein. Regarde ce qui se passe avec ma ligne. Non. Oh, ça bouge. Mais t'as une chatte. T'es en train de remonter un poisson là. Oui, je remonte. Eh, c'est trop ça chatte là. Non mais c'est du petit ça. Du menu frottant. Il est même pas compliqué. Oh là 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 là. Mais, oh, il résiste quand même le fumier. Allez. Allez, allez. Putain, et moi j'ai rien eu quoi. Je vais y arriver hein. Sans difficulté en plus. Il y a eu ce qu'à tirer. Bon, je pense qu'il est minuscule. Hein. Mais j'ai déjà mis un appât. Alors, t'as eu quoi? Attends, ça me d'abord, je vois pas ce que j'ai. C'est oh, il est minuscule. Il est un peu plus gros que le mien, mais en vrai. Ah, il est quand même plus gros que le tien. Oui, bah il est. Voilà, c'est. Vous voyez mon appât, regardez, vous voyez mon gros ver de terre? Non, mais ça, franchement. Eh, non, mais c'est pas mal du tout. Hein. Mon deuxième poisson ce soir. Trop content. Canne à pêche. Alors attendez. Je vais mettre un verre rouge. À mon avis, c'est. Ah, je peux pas le mettre. Ah, mais non, je peux. J'ai acheté des verres rouges. Pourquoi je peux pas les mettre? Je vais mettre du pain. On va raison, je vais mettre du pain prendre... aussi. Non, copieur, on va me prendre. J'allais dire, on va me prendre pour un fou, mais ça va être la technique de. T'es reparti dans le bateau? Ah, ouais. Par ici. Ok, moi j'ai décidé.
en âme et conscience de partir par là. Mais putain! Il vient me chercher tous mes poissons, c'est-à-dire que l'autre, je l'aurais eu s'il n'était pas là. Eh, hey, il y a plus d'un poisson dans l'océan, hein. Je suis à 20. Merde, putain. Me dis pas que j'en chope un autre. Allez, un bon bout de pain, là. Pense à tendre ta ligne. Bah alors, en vrai, elle est tendue, non? En plus, bouchon de travers, ça ne change rien. T'es à 20. Ha! Ça ne mordra jamais, là, hein. L'erreur de débutant, je trouve. Vous savez quoi? Je remonte, mais je suis sûr et certain que ça aurait mordu même avant, hein. Tu n'as pas assez de poids sur ta ligne, ton flotteur... Mais putain, mais vous voyez bien que lui, il a des poissons. On a la même chose. Faites pas chier. Moi, j'ai pas la même canne. Moi, j'ai pris la canne classique. Ah, d'accord. Je peux te faire le bout de ta canne avec ma canne. Dégage. Je veux un poisson. Je veux un vrai poisson. Sinon, tu as une autre méthode de pêche, celle au leurre. Tu es actif et tu lances en boucle jusqu'à ce que ça morde. Pas mal, ça. Ouais, enfin, pêche au leurre, ça veut dire quoi? Tu dois racheter tout le matos? T'en as pour 3 500 $? 3 500. J'ai l'impression que le pain marche pas de ouf. C'est vrai que je suis passé au pain, mais je me dis que ça va forcément mordre au bout d'un moment. Tu sais, la pêche, c'est toujours une histoire de patience. C'est que de la patience. Et c'est pour ça que le premier de nous deux qui enlèvera sa ligne aura fait une grande erreur. Ah! Non, on dit aura une tapette. Ah oui, aura une tapette. Ouais, c'est pas pareil. Par contre, si, juste s'il pouvait faire jour, ça me tilte. On ne pêche pas de nuit. Tu sais que la pêche de nuit, c'est là où t'as les meilleurs poissons. Hein. Mais non, parce que les poissons dorment en fait. Si vous aussi, vous voulez passer un moment trépidant, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour télécharger le jeu de pêche The Hunter. Comment il s'appelle, Lark? The Angler. Ouais, c'est ça, The Angler. Avec le code créateur suivant, Wankill. Ils vont être contents, les pêcheurs. J'ai l'impression que le pain... Est-ce que ça mange vraiment du pain, les poissons, finalement? Bah en fait, soit on va pêcher un canard, soit un gros poisson. Parce que là... C'est pas à Intermarché que vous aurez du divertissement aussi fun. Ici, on n'est pas des beaufs. Ici, on se pose, on discute... Et on patiente. Et on observe la nature. Regardez, hé, vous pouvez switcher d'un magasin à l'autre, vous allez voir. Ici, c'est calme. Je suis sûr que vous avez même pas regardé se détend. Ce fond là, ces belles montagnes qui nous entourent. Bon, je pense que le pain, c'était vraiment pas une bonne idée. Ouais. Je pense aussi. On va repartir au vert de fond. Alors. Je vous montre. Hein. Je vous montre comment on fait. Verre de vase. Flotteur, bouchon de liège. Voilà, contrairement aux autres nuls. Voilà. Et là, je peux vous dire que là, ça va. Vas-y, lance. Attends. Je peux pas prendre ça plutôt là? Pourquoi je peux pas prendre ce qu'il y a dans mon sac à dos? Je m'explique? Va dans le canne à pêche. Bah ouais, et je les vois toutes. Et je voudrais juste la prendre. Sauf que ça propose pas de l'équiper. T'es à 20. Putain.
Attends, je vais changer de position, je me permets de venir. Non, dégage, dégage. C'est trop, hein. Il est trop chiant. Quoi hein. Tu viens toujours sur ma position. Allez, c'est parti. On s'occupe pas de ce qu'il raconte. Et moi, je mets un mètre de profondeur. Les carpes aiment bien le maïs et le pain. T'as pas essayé de mettre des plombs? Mais non, j'ai pas de plomb. Ah ça y est, ça fait des bêtes. Ça fait des bêtes sur moi en plus, genre pour mettre la pression. Alors, ça mord ? Quand même, j'ai eu une sardine. Hein. Et elle était toute petite. Et pas plus. Allez. Allez. Non, mais c'est bien parce que dans le tuto, je me suis dit, ouais, ok, c'est le genre de jeu où tu vas avoir des poissons à la chaîne. C'est pas un vrai jeu de pêche. Là, je me rends compte que c'est un vrai jeu de pêche. Là, effectivement, c'est... Ça se mérite. Mais comment ça, il faut un fil bien tendu? Ouais, ça veut dire quoi ça? Mais du coup, il faut le remonter? Tente ta ligne. Mon fil a toujours touché l'eau et ça n'a rien changé. Hein. Mais là. Là, elle est à 100%. Ça veut dire quoi? Je suis en train de les attirer un peu là. Je fais bouger à la surface. Mais là, elle est tendue. Ma canne, elle est vers le ciel. La ligne est bien tendue là, je la vois. Ça, c'est le frein. Ah oui, d'accord. Mais là, je tends la canne vers le ciel. Je peux pas plus la tendre. Ah, j'ai capté. Je la vois. Ok, j'ai capté. Le long de la ligne, faut qu'elle soit tendue. Ok, je capte. J'ai capté. Ah bah là ça va mordre. C'est pas un peu trop rapproché moi, parce que là je vois même plus mon flotteur. J'ai baisé ta femme il y a 6 ans. Voilà. On peut tous dire la pêche. Ce qui se dit à la pêche reste à la pêche. Je t'ai enlacé dans cette chambre d'hôtel il y a 6 ans. Je dormais pas quand je t'ai pris dans mes bras, quand on dormait. Allez ! Putain ! Des nouvelles pour les cartes à collectionner? Bien oui. On a fait des retours aux illustrateurs et on a eu des nouvelles versions des cartes. Pas pour tout le monde. Il y a des illustrateurs et illustratrices où, en vrai, il n'y avait rien à redire parce que on considère tous les deux ça comme parfait du point de vue qu'on en avait. Il y en a certains où on voulait que ça ressemble plus à ce qu'on voudrait au global, donc ils ont fait des retours. On pourrait vous montrer les retours, on pourrait vous montrer le avant après en fait. Oui. Vous voyez. Mais c'est principalement des détails, c'était surtout le fond. Parce que vous avez été beaucoup à dire, vous aviez raison que un fond travaillé ça changeait tout. Du coup là, ils ont fait des fonds travaillés. Pourquoi t'as changé d'endroit? T'occupes. Il croit que c'est parce qu'il change d'endroit qu'il va avoir. Ça m'a parmi à 20 cm le chat. Ça retient quand même. Mais. Susboule! Mais il va dégager de mon côté? Attends, mais j'ai. Tu te fous de la gueule du monde, j'ai relancé au même endroit! Ah non, hein. Je t'ai vu, j'ai vu ta ligne. J'ai relancé.
Mais par Dieu, j'ai relancé au même endroit. Ouais, j'ai un appel de Clayton. Ouais, Clayton, je suis avec l'autre con, j'arrive tout à l'heure. Il fait nuit combien de temps dans le jeu? Oh bah quand je dis ça, il commence à faire jour. Eh bah, suffisait de gueuler. Ah, ça vous dérange? Ah bah fallait dire tout de suite, oh putain, ça éclaire de ouf d'un coup. Bah voilà, et bah je rallume alors, qu'est-ce que je vous emmerde là? Ah pardon. Oh putain, ça s'est levé vite. Oh là là, Link, tu pêches avec du 80 cm en minimum 20 mètres. Vraiment, je me demande si tu le fais exprès ou pas. Quoi? En minimum 20 mètres? OMG, Link, en spinning avec une ligne de 2 à seulement 20 cm de profondeur avec des verres vases. Oh, non, les pêcheurs, bon, là, on marche sur la tête. Ah, putain, il me trash au lieu de me donner un vrai conseil, là. Une nuit entière pour un poisson. Et ouais, encore, hein. On a peut-être pêché tous les poissons du lac, à savoir un. C'était le roi du lac. Il avait aucune concurrence. C'était l'ultime prédateur. Il a tué tout le monde. C'était un peu... un poisson de ouf dans une énorme mare et... Et puis Intermarché... Mais dis pas, il va refaire nuit, là. Le dev, il se fout de ma gueule. Je vais péter les plombs, il fait nuit. Fils de pute, la lune est en train de se lever. Mais c'est bizarre. Y'a un dev qui se fout de notre gueule, y'a un dev qui a accès en direct aux commandes. Y'a un bouton nuit, il fait... Attends, y'avait déjà un jeu où on nous faisait ça. On jouait à un jeu, et y'avait des devs en direct qui changeaient des trucs. Ah ouais? Ça me dit un truc. Putain, j'ai pas eu un putain de poisson, hein. Sur Days. C'est vrai, il y avait eu ça sur Days. Mais je pensais même pas à Days, mais c'est vrai que Days ça nous le faisait aussi. Ta gueule, Clayton! Ah, il t'a appelé aussi? Oui, il m'appelle là. Il est gênant, hein. Comment il a eu mon numéro? Comment t'as eu mon numéro, Clayton? Je te le demande. Je crois qu'il y a aucun poisson ici. Bah, comment t'expliques que j'ai pêché un énorme poisson? Ouais. T'entends remonter ta ligne. Ouais, c'est pour un petit peu la pâtée là. Bon. Un petit peu de mouvement. Ah, il va essayer une nouvelle strat. On va changer de spot. Oh, on va se mettre. Attends, attends. Attends. Ça y est. Oh putain, oh le salaud. Oh le salopard. Alors lui, la ligne elle est bien. Attends, je vais le pêcher pendant que t'es en train de le... Ah, ramener. Salope, tu l'as bien lancé en plus. Allez. Ton truc. T'es bien dessus. Allez. Salope. Allez. Dégage. Allez. Dégage. Viens, viens, mort mon verre, mort mon verre. Je te jure, s'il se barre, je vais... T'as vraiment de la chance que je puisse pas bouger le bateau et que ce soit toi le pilote du bateau. Parce que sinon, j'aurais démarré. 7 mètres. Allez. Je suis presque. Allez, allez, c'est bien maintenant. 7 mètres. 6 mètres. Let's go. Alors? Oh, un Ménomini des montagnes. Oh, alors lui, il est beau. Alors lui, il est beau. Putain, attends, il faut que je me rapproche de toi, mais comment je fais? Alors là... Toi vers moi. Il fait quelle taille ton truc? Il est tout petit, tu le tiens avec deux doigts. C'est pas la taille qui compte, c'est un Ménomini des montagnes. Bah d'accord, oui, mais il a un très beau nom, mais il est tout petit. Il fait... 19 cm. Dis donc. Ah ouais. Non, c'est... Ça va, j'ai eu plus gros, mais c'est vrai que 19 cm c'est pas petit quand même. Franchement, score 279, mais attends, par contre, je te confirme, ça ne m'a pas donné d'argent. Hein. Ah ouais? Ah, je crois pas. Hein. Sauf que si tu le relâches, ça va peut-être donner des thunes. Attends, je relâche. Ah! 22. Ça m'a donné 22! Ah putain! il était vraiment tout pourri. Non, il était bien, ça veut dire que c'est hyper inquiétant. Vas-y, faut qu'on change de spot, prends le bateau. Vas-y. Et prends une rivière. Ouais, vas-y, sorte ce lac avec le bateau, il y a une rivière. On peut aller dans un autre endroit.
J'étais complètement taré, j'étais debout sur le bateau, heureusement ça m'a fait un soir. On se casse. Oh, y'a un poisson. Oh, y'avait un chic à poisson là. Alors attends, faut que t'ailles. Ah bah c'est parfait. Vas-y, prends la bretelle. Ça me rappelle Valheim. Un peu. Quand on prenait les rivières. C'est vrai. Fallait faire attention. Ville fantôme, terre acide. Oui, mais c'est l'un qui a inventé la ville fantôme. Je l'ai pas inventé. Hein. Et on ira dans la ville fantôme si vous êtes sage. Bah c'était à côté des sources chaudes, donc si on va, si on se TP aux sources chaudes après, c'est vraiment pas loin. Ah, se rendre à la ville fantôme. Ah. Il mentait pas, je l'ai vu. Et en plus, à côté de la ville fantôme, il y a un grand lac. Attention, baisse la tête. Ah. Attention. Bonk. Bonk. Il fait tout tendu, hein. Et là, quand on prend cette rivière à la fin, on va avoir un truc. On va avoir un meilleur endroit. Bah ouais, ça mène sur un nouveau lac. Okay. Un gigantesque lac par rapport à celui où on était. Il y avait des lieux non découverts sur le chemin. J'aimerais bien conduire un bateau. Ça donne envie. Ça a l'air très simple. Ouais. Ça a l'air facile et ça a l'air de détendre. Faut pêcher sur les bords. C'est pas un truc de pro d'aller en plein milieu avec un bateau. Si. C'est pas un truc stylé. Alors, un truc de pro et un truc de mec aisé. Donc évidemment qu'on pêche en bateau. Ouais, c'est juste qu'en fait vous êtes pauvre, du coup vous pêchez sur les bords. Oui. Vous avez votre chaise de merde en tissu Décathlon, vous mettez au bord d'une rivière qui est remplie de bouteilles de bière et de canettes, et vous espérez pêcher des trucs. Nous, voilà, on va au milieu des beaux lacs avec un super bateau, un yacht limite. Et on se ramène avec des poissons de combien l'inc? 19 cm. Ouais, près des ménominies des montagnes. Ça, c'est pas des poissons de pauvres. Truite arc-en-ciel. Vous avez déjà vu ça? Oh là 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 là. C'est ici? Mais non, c'est loin. T'es pas encore, continue. C'est dans combien de temps? Ah bah, c'est pas maintenant. Faut que tu continues. Ouais. Oh, signalé. Signalé. Une plante envahissante, la jacinthe d'eau. Ok. Ah, et ça, on en a partout, c'est du fourni. Ça, ça va donner de l'XP, ça. Oh. J'ai touché. Ah. Oh. Oui, tu touches le fond, je vois. Je touche. Allez, encore ensuite à gauche. On va tomber sur un petit lac, et c'est pas celui-là. On va se jeter dans un plus grand lac. En passant sous un pont, normalement. Alors, Terra, j'ai reçu un mail de Steam. Et j'ai l'honneur de t'annoncer qu'un test de compatibilité a été lancé pour Agrou pour le Steam Deck. Ah oui. Et que le résultat de ce test dit que le jeu est jouable. Oh putain, mais je viens de voir le mail. On peut désormais jouer. A été soumis à une vérification de compatibilité avec Steam Deck. On peut jouer sur son Steam Deck au fabuleux Agrou. On peut jouer dans les chiottes à Agrou. C'est désormais possible. Alors ça, bah attends, si même Agrou est compatible, toute leur bibliothèque Steam va être compatible Stream Deck. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Il y a des c'est mecs, c'est-à-dire qu'il y a des mecs chez Steam là, ils se sont régalés, ils se sont fait une petite partie d'Agrou sur leur Steam Deck et ils se sont dit bah ça marche en fait. Tu te rends compte, en vacances, au bureau, entre potes, tu peux jouer à Agrou n'importe où maintenant. C'est fou, c'est fou. Bah, j'avais peur de pas pouvoir jouer à Agrou quand je vais partir en vacances, mais en fait dans l'avion je pourrais jouer à Agrou. Ouais, bon, il y a pas de réseau. Je pourrais jouer dans le menu d'Agrou, donc ça me fait super plaisir. Tu peux te balader dans les maps. Ah, j'ai validé une mission. En tout cas, là, tu vois, et là on atterrit dans le grand lac. Ah bah alors là, c'est gigantesque. Ça c'est du lac qu'a bien vécu. Là on met profondeur 1m30 là, c'est pas possible. Profondeur 1 milliard de mètres. Ouais. On va pêcher des espèces qu'on n'avait encore jamais vues sur Terre. C'est des grands fonds là. Tu me dis stop. Si tu veux, encore 10 secondes et tu te seras au milieu du lac. Non, c'est bon là. Alors on est au milieu du lac. Waouh. Waouh, waouh, waouh.
Et donc toi, il fait jour. Non, moi, il fait nuit. Ah, d'accord. Mais il a fait jour pendant une seconde ou... Parce que moi, il a toujours fait nuit. Hein. Mais mec, moi, il a fait jour, mais montre en main, 15 secondes. Putain, mais c'est horrible. Il aura jamais fait jour. Le soleil s'est levé et j'ai recouché très vite. Toute la vidéo, c'est de nuit. J'ai envie de canner, là. C'est quoi, ça? Putain. Je mets combien, le chat, là? Verre de vase. Je fais un rap avec la ligne. C'est le rap. C'est le rap de la pêche. Non, ça c'est tout pourri. Déjà, je vais pêcher derrière. Attention, à la une. À la deux. À la d'un. Lol. Il y aura encore plein d'autres vannes, hein. C'est pas fini le live. Et. Ne vous inquiétez pas. À la 3. Je mets 80. Non, je mets 70. J'ai mis un mètre. Oh le malade. Il va ramener. Une raie. Pas du tout. Une raie dans un lac dans le Wisconsin. Oh, une raie. Bon, quel est le premier de nous deux qui va mordre? Alors déjà, j'ai pas tendu ma ligne. Voilà. Franchement, tendre sa ligne, c'est de la connerie. Hein. Mais c'est hyper important. Parce que quand tu tends ta ligne, tu ramènes finalement ton flotteur. Bien sûr, c'est normal, mais c'est bien. Et après, tu bouges plus. Pour ceux qui viennent pas beaucoup sur le Twitch ou pour qui c'est la première fois, sachez que toute l'année, on propose ce genre de contenu. Et deux fois par semaine, pendant 3 heures. Et que voilà. Toute l'année on s'amuse, grande déconnade, et c'est gratuit. Donc accrochez vos stibas parce que du fun et encore du fun. Point exclamation jeu pour nous remercier de ce contenu. Cliquez sur le lien dans la description. Voilà, cliquez sur le lien pour voir. Code créateur ou kill, j'imagine. Pour The Angler. Et on est bon. Jeu de l'année qui est sorti aujourd'hui. Ça va pas tarder à mordre. Là, accrochez-vous, je sens un appât arriver. Ah, tout à l'heure, ça m'a pris par surprise, hein. On n'est jamais à l'abri, hein. On sait pas. Hein. Et on espère une mise à jour pour qu'ils ajoutent le soleil. Parce que c'est la seule chose. Peut-être l'acheter en boutique, hein. Je vais voir après. C'est horrible. Le train de l'hype, wouh. Ah. Ah, fais gaffe, il y a ton pantalon qui est un peu baissé, on voit l'arrêt de tes fesses. Oh. Je t'entends qui tend ton fil là. C'est ce qui m'a valu tout à l'heure de trouver un mini des montagnes. Y a aucun bruit. C'est vraiment genre... on entend que le bruit de la barque qui tangue un peu. Oui, ben, pardon, mais ça fait du bien. Eh hey. Eh bon, hein. Le rythme de fou qu'on a Parce toute que la journée... c'est pas ça dont on avait besoin, quand même. Tout le monde est en train de courir. Tout le monde a des problèmes. Des rendez-vous le par-ci, stress des de la appels vie parisienne, par là. Là, ça peut dire que ça vous fait du bien. Le métro, les gens, les klaxons... C'est ça la vraie vie. Un bon sandwich. Bonne bière. C'est bien chier. Si ça te dérange pas, j'aime bien me baigner nu. Ah, ah bah j'ai plus envie de pêcher mais j'ai bien envie de me baigner là. Pour ressortir plein de sangsu là. Oh. En tout cas, ça va mordre. Donc, qui pêche dans le chat là? Faites-nous un sondage là pour qu'on sache la proportion de pêcheurs. C'est important. Qui a? J'ai déjà pêché. Je pêche, c'est-à-dire régulièrement, et jamais pêché.
Moi, par exemple, j'ai déjà pêché. Moi, j'ai déjà pêché. Avec mon papy. Avec mes cousins et avec des amis du collège. D'accord. Vous vous êtes un peu baigné après? Avec papy ou avec mes cousins? Tes cousins? Bah, c'est la tradition, non? Y a pas de honte à se baigner avec ses cousins. En plus, quand c'est la même famille, bon alors là. Ouais, mais ça va, c'est cousin éloigné, donc Le c'est ok. ludisme, c'est rien. Alors, il y avait oui enfant à 55%, jamais à 29%, et encore aujourd'hui 15%. Ces stats ne me choquent pas. Eh, en vrai, ça fait beaucoup de pêcheurs, hein. 15% de pêcheurs réguliers, c'est énorme. Oui, ça fait beaucoup. Franchement, j'aurais dit moins de 5%. Hein. Mais la France pêche, hein. Bah, j'ai bien l'impression, du coup. Grâce à. Hey, alors, oui, ceux qui viennent d'arriver sur la banquise, sachez que vous allez en apprendre tous les jours. Hein. Parce que on fait souvent des sondages. Vous auriez vraiment aimé savoir les stats. Et ben voilà. C'est Grâce l'INSEE à nous, vous ici. les avez. On sait tout. On avait Ah, déjà, toujours est-il on avait que. prévu à l'avance, on avait su les élections américaines, les élections françaises. On avait su pour la Coupe du Monde. On sait à peu près tout. On fait des sondages et C'est vrai des qu'on études. sait énormément de choses sur Voilà. ces lives. On sait tout. Ah, Link, Oui? ça mord. Non! Et c'est du gros en plus. Il m'emmerde. Ça résiste bien. C'est du très très gros. Il faut que j'en aie un maintenant pour te baiser. Ah, je vais à contre-courant. Allez. Putain! Allez. Allez, mon salaud, ne casse pas ma... J'ai jamais encore cassé ma ligne, je sais pas ce que ça fait. Allez, je Oh ramène. putain. Quoi, t'en as un? Allez. Allez. Mais ça va péter ma ligne en plus. Mais tu vas venir, espèce de con. Allez, oh, tu fais combien toi? Non, Oh, c'est toi, tu trop. fais au moins 600 grammes, hein. Oh, ça, c'est de la truite Allez, arc-en-ciel. allez, je suis presque. C'est de la truite arc-en-ciel, je m'y connais pas. Il s'éloigne, il s'éloigne. Non! Non, fils de pute! Sale fils de pute! Sale chien de merde! Pensais pas que ça marcherait. Je te jure, s'il y avait un bouton pour te filer un coup de pied que tu tombes à l'eau, je démarrerais le bateau. A Sale vraiment merde! marché. Tu te dois un poisson! Putain, ça se trouve, il était énorme! Mais en plus, je pensais que tu faisais semblant. Pour moi, tu faisais semblant. Je pensais que t'en avais pas Oui, du bah tout. oui, je faisais semblant, bah évidemment! Bon mec, si en vrai, si jamais j'ai une prise, c'est bon, pas la peine de faire la blague deux fois. Mais je peux même pas la faire! C'est pas mon bateau! Alors là, c'est T'es une merde! royal au bar. Ça, c'est une sacrée blague, à mon avis. J'ai baisé ton père aussi. Voilà. Je le dis. Voilà, j'ai baisé Ah ton père, c'était bizarre, mais j'ai baisé ton père. Voilà. Bien fait. J'y crois pas, ça se voit que c'était un putain de poisson en plus, il était super dur à ramener. Bah, tu sais quoi? D'une, ça te ferait une belle histoire à raconter. Et de deux, si tu l'as eu, tu en auras un autre. Ça mord pas beaucoup, hein. Ta gueule. C'est pas juste. Vous avez déjà pêché avec des explosifs? Alors, la pêche à la dynamite, ça se fait ou pas en France? Dans des contrées un peu reculées, là.
Il va faire jour là un peu. Bah là, ça commence à se lever chez moi. J'ai l'impression. Non, mais il a vraiment fait un sondage pêche à la dynamite. Quel con. Vous avez déjà fait de la pêche à la salope? Oh non! Je suis parti à la pêche avec un beauf! Ça mord! Il est nul ce spot là. Depuis qu'on est arrivé ici, il n'y a plus rien. Ça va mordre au bout d'un moment. T'as gâché la journée avec ce spot. J'ai pêché un truc, c'était un barracuda. Mais on le saura jamais. Ouais, un requin, ouais. En tout Allez. cas, le meilleur poisson qui a été pêché ce soir, ça reste le mien pour l'instant. Quoi? Mais j'ai une truite arc-en-ciel. le nom est joli, mais les gens t'ont dit. Les gens Nous ont t'ont dit quoi? dit que c'est nul. Que je veux dire, moi, à mon avis, quand j'avais 8 ans et que j'ai pêché avec mon papy, j'ai dû pêcher une truite arc-en-ciel. Tu vois? C'est comme si je te disais, j'ai pêché un poisson rouge à la Elle fête pesait foraine. combien ta prise? 2 kilos, et alors? C'est pas beaucoup, et alors? 8 kilos, moi. Ah ouais, d'accord. Il était long comme ça, à peu près. Bien sûr que j'ai eu autre chose que la. J'ai eu une perche chaude et un nid des montagnes. Putain, le spot de merde. Pop, 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 pop. On va relancer ailleurs, hein, je pense. Ah, moi je pense que ça va mordre au bout d'un moment. Oi! Il y en a un juste devant là! Ça veut Il y a rien dire. un poisson juste devant. C'est des grenouilles. Attends, je vais intercepter sa route. Et viens, viens, sale chien! Hé! Hé! Demi-tour! Il s'en va. M'en fous, c'est pas. J'ai pas dit mon Putain, dernier mais mot. j'aurais plus jamais de prise à cause de toi. J'ai pas dit mon dernier mot. Oh, il tourne. Il a tourné autour. Il m'a. Aïe! Il est passé sur mon appât, il l'a snobé! Bah normal, il est pas con. Il voit qu'il y a un énorme hameçon en métal. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, j'en vois un, il est en face là-bas, il arrête pas de faire des sauts. Ah, comme quoi des fois ils en ont rien à foutre juste, hein. Pourquoi on couperait la ligne? Bah ouais, ça me semble être du gâchis. C'est peut-être Pourquoi des on fois quand aurait une c'est. urgence qui fait qu'on coupe la ligne? Je pense des fois c'est trop dangereux, tu vois. Genre. Moi tout à l'heure j'ai eu Eh un oh, c'est un poisson. jeu vidéo! Tu vas pas vraiment mourir! Hein? Oui. Tout à l'heure j'ai eu un poisson, il était tellement gigantesque, tellement lourd que j'ai dû couper la ligne. Tellement. Ça doit être 19 cm. Celui-là j'ai hésité à couper la ligne parce que ça, je me suis senti en danger. Je me suis senti partir mais. Mais par contre il a refait nuit là maintenant. C'est-à-dire que le Voilà, c'est en jour. train de se, c'est en train de se recoucher là. Le jour n'existe pas quoi. C'est vrai qu'il a fait nuit. Putain, mais bordel! Trop profond. Pff, Bon, amène-nous à un spot en bord de terre là. ouais. Non, Ouais, vas-y. on va à la ville fantôme, on va pêcher à la ville fantôme. Allez, notre salut est à la ville fantôme, je pense. Je vais au Mais du voyage coup, faut. rapide aux sources chaudes.
Bah c'est qui vient des forces. C'est où les voitures? Ah t'es là. Mais je... Mais je voudrais... Ah voyage rapide, voilà. On va pas y aller à pied quand même. Bernie the Bear says don't smoke. Fire danger today. Il y a pas de location de voiture, faut aller loin. Quoi, il n'y en a vraiment pas ici? J'en sais rien. C'est... Ça me semblerait honteux quand même qu'ils en aient pas mis ici. Ouais, est-ce qu'on voit? Ah, ils cassent les couilles, hein, putain, vraiment. Comment on voit ça? Ah, on voit pas. Et pourtant, si, 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 parce que c'est ma voiture qui est là-bas. Ouais, non, c'est pas ma voiture. Il y a une voiture là, voiturier. Suivre. Ah non, c'est un voiturier, c'est pas ma voiture. Putain, il a 400 mètres le voiturier. Aïe 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 aïe. Oh, puis le chemin il est compliqué là. Oh, petite rando qui fait plaisir. Hier, au moins il fait un peu jour. Au début du stream il faisait jour non? Oui, oui oui. Et il a plus jamais refait soleil. Jour. Ok. Non. Super. Mais je suis en train de marcher dans la montagne, c'est pas du tout le bon plan là. Ah faut passer la montagne. Oh le plan de merde. Oh là, il y a une source chaude au sommet de la montagne. Attention les moustiques. Putain, il y en a vraiment des moustiques. Il aime pas ça, hein. C'est qu'un son, mais il aime pas ça. C'est mon angoisse quand je dors. Ah, moi j'en entends un, impossible. Je me lève je peux plus dormir. Et je chasse. Tu peux pas me dire que je vais dormir avec un moustique, c'est impossible. Ouais, faut se lever et chasser. En plus, on a de la chance parce que les moustiques sont vraiment très lents et un peu cons. Ouais, ça va, ça se tue assez facilement, ouais. Faut juste le voir. Une fois qu'il est vu. Gain de niveau. Ok. Mais je suis pas du tout du bon côté, mais qu'est-ce que je fous là? Bah alors. Est-ce qu'il est parti? Alors je regarde vers où on va devoir aller. Bah en gros c'est la merde quoi. Oh la galère. Ah bah j'ai bien fait d'aller là. Tiens tiens tiens. Oh la galère. Signalé. Arbre malade. Un pin blanc. Faudrait que j'aille à gauche. Tiens, veux-tu okay, bien... Ok, j'arrive. Tu me vois ou pas? Non. Si, si, tu peux me voir là. Moi, je te vois. Mais bon, saute. Je te rattrape. J'arrive. Il l'a vraiment fait. Le jeu m'interdit de sauter. Je reviens en arrière. Vous n'avez pas le droit de vous suicider. C'est contre les valeurs de la pêche. À la pêche, on ne se suicide pas. C'est le max où je peux aller. Si je descends plus bas, c'est mort. Oui, il faudrait que tu viennes me chercher. Parce non, que dans non. tous les cas, tu vas repasser devant. Si, tu vas repasser là, toi. Bah non, regarde. Enfin, je vais pas dévaler la montagne en voiture. Non, mais là, je suis remonté à ATP. Tu vas forcément passer par là, de toute façon. Non, je comptais pas passer par là. Si, tu dois prendre la route. Ah, oui, d'accord. Oh bah, c'est que ça roule vite. C'est pas du tout une route. Ah, si. Et tu tourneras la prochaine à gauche. Et tu continueras tout droit. Très bien. Aïe! Aïe! C'était là. Par là? Ouais, tout droit en fait. Oh la route de merde! On va pas à droite. Tu vas devoir arriver bientôt, j'imagine.
Bip bip. Attention, il y a des poteaux. Putain. Il y a effectivement des poteaux. Alors, à partir d'ici, eh ben, c'est tout droit. Mais on va prendre à gauche. Ouais, là, mon fumier, c'est... Faut se mettre à gauche et faut longer toute la route. Ouais. C'est quand la prochaine à gauche? Ah ouais, d'accord. Putain, la vie fantôme, je sens que ça va être incroyable. C'est sûr. Ah, signalé. 24 crédits pour ça. Ah, c'est le bon chemin. J'hésite vraiment à aller chercher à manger pendant que tu conduis, mais vu comment tu conduis mal, j'ai pas envie d'aller chercher à manger. Salope. Oups. Je vais prendre une galette de riz là. Ah non, pas pendant que tu conduis. On va avoir, tellement avoir un accident parce que je mange ma galette de riz. Bon, j'y vais. Ah, je ne contrôle plus rien. Hein. Délicieux. Mais voilà. Putain, j'ai chaud. Le paquet de pépito, j'en fais mon affaire. Alors c'est... Ah mais c'est extrêmement loin l'endroit où aller. Où on doit aller. Faut rouler sur cette route pendant... hyper longtemps. Oui, mais bon, c'est quand même la ville fantôme. Faut pas trop vite. Je mange pour l'instant des hippos. Regarde à gauche, c'est beau, c'est trop beau. Par pitié, conduis. C'est magnifique. Oh, ah non, j'ai craché du riz partout sur l'écran. On va avoir un accident. Mais quand même du riz quand on est assez jeune, ça se joue pas mal hein. Oh ma mère. Le guide touristique est complètement taré. Bon allez. C'est par là. Pourquoi il y a un mec à dire pourquoi des galettes de riz? Bah je sais pas. C'est honteux. Hey, un nouveau petit endroit. Et ici on peut prendre une voiture. Pratique. Bah on aurait dû changer parce que je pense que celle-ci elle est en état déplorable. Oh, elle est juste un peu sale, ça va. En tout cas on voit du paysage. Oh là là là. C'est magnifique, regarde. Ce soleil qui tape sur les montagnes. Je crois dans le Grand Canyon, c'est magnifique. Qui est détendu? Tout le monde. Tu conduis comme ça dans la vraie vie? J'ai une conduite un peu brusque. Tu sais comme la fois où on était ensemble sur le périph et où je me suis inséré entre un camion et une voiture. Et où t'as fait oula. C'est la première fois qu'il rentrait dans ma voiture, il avait envie de sortir tout de suite. Je sais pas où je vais là. C'est pas par là. Je ne comprends pas où c'est. Je comprends rien. Oh, attends, c'est pas grave, regarde là. Enfin. Plus à gauche. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est pas du tout la route. Hein. Tu vas prendre le pont. À gauche ou à droite? À droite. À gauche. À gauche. J'ai le sens de la rotation. Oui, je vois ça. Ah, voilà une vraie route. Ah, putain, ah, bah, si on pouvait me foutre du béton partout là. C'est dommage, ils auraient dû mettre des suspensions sur notre voiture. Hein. Open canyon, you could
Putain, juste en roulant, on passe full niveau. Et on se fait tout full thune. J'ai combien d'argent? J'ai 553 balles. Storage lockers, a boathouse and a garage for easy access to transportation. Et c'est reparti. Ça roule bien, ça se voit qu'on est en semaine. On n'a pas croisé un seul joueur. Bizarre ce MMO. Là, je me dis s'il y avait des abonnés qui pouvaient rejoindre notre session, et c'est le cas, on pourrait trop foutre la merde. Hein. Vraiment, ouais. Ah, c'est moi qui pue. Oh bah... Pardon, je me sentais. Pardon, je me sentais. C'est quoi ça? C'est quoi ces ruines? On commence à arriver vers la ville fantôme. Ouais, ça sent, hein. Le petit pont. Et on arrive dans combien de temps? Alors, laisse pas regarder. Il est en train de se régaler, l'enfoiré. Mais on arrive... Il se régale, tout simplement. Attends. Mais on l'a passé. Quoi? Demi-tour. C'était ça, la ville fantôme? Non, je pense que t'as pas pris le bon endroit. Ouais. Tu vas à gauche dès que tu peux. Genre là. Là. Ah, signalé. Attends, arrête-toi deux secondes. Merci. La vie. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Qu'est-ce qu'il fait? T'es en train de pisser là? Faut que je pisse. Mais il est relou. On est arrivé. Ah. Tu pisseras à la ville. Bientôt fini. C'est bon, j'ai fini. This is what folks call ghost. Although a few hundred years ago you'd have known it as Prosperity Spring. The mining hub of Wyoming. Il se fout de ma gueule, hein. Moi je me barre. But there's nothing nice. Il est toujours là-bas. Je vois pauvre mec tout seul. Maybe hard to picture now. Il va venir me chercher, je pense. Putain de merde. Protecting a place like Golden Ridge. Instead getting carried along. Le gosse qu'on abandonne au bord de la route là. T'avais qu'à pas pisser. Pisseuse. C'est trop bien faire un truc. Alzheimer dont tu veux te débarrasser. Tu lâches au bord de la route. Au début, heureusement que Clayton parle au-dessus des inepties. Ces choses qu'on ne voudrait pas entendre. C'est bon, on peut y aller, c'est fini. Eh non, on va pas dans la ville, direction les tunnels. Oh là 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 là. Mais il va vraiment dans la mine? Ah oui. Une mine. Il y avait une... Il y avait une pépite d'or. C'est pas vrai. C'est quoi ça? Où ça? C'est quoi ça? Putain, c'est qu'une griffe. Une griffe de stégosaure, c'est ça, notre pépite d'or. Mais oui, c'est encore plus cher que de l'or, bien sûr. Pour deux passes. Putain, mais il allait démarrer sans moi, hein. J'allais te laisser dans la grotte avec les stégosaures. Bon, et après, c'est un pont, d'accord. Bon, bah, on va retourner à la ville. Non, je crois que t'allais prendre le pont avec la bagnole, parce que là, vraiment, pas possible. Ce sera rigolo, mais j'ai quand même un sens des responsabilités et une certaine maturité. Yeeha!
Chouchou. Attends, parce qu'il y a différentes... Ici, il y a des trucs. Bon, on va aller visiter à pied, hein. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à visiter, honnêtement. Arrête, regarde. Donc ici, c'était une ancienne exploitation minière. C'est le guide de merde. Et avec la crise des... de 83, ça a été laissé à l'abandon parce que le propriétaire était très endetté. Et donc, le personnel de la mine a laissé en l'état les baraques, etc., etc. Et la suite de la visite est par là. Voilà. Ah ! Et bien comme quoi, c'est chargé d'histoire. Et certains ont laissé leur portefeuille. Voilà, on n'hésite pas, ça ne servira plus de toute façon. Et là, c'est la partie de la ville qui est la plus intéressante. Oh, on peut pêcher ici. Parce qu'il y a la chapelle et on peut pêcher. J'ai oublié que c'est un jeu de pêche. Complètement. Vraiment. Là, il voulait tirer sur d'autres personnes. Ah hein. Oh, voilà. Ça reste un joli endroit. Hein. Ouais. Les pourboires sont évidemment les bienvenus. Vous avez une boutique souvenir à la sortie. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, petit sub. Merci par là. Bon, alors ici ça mord, hein, par contre. Les humains sont partis, mais les poissons, je peux te dire ça. En bord comme ça? Ok. Ah ouais. Ah, les pieds dans l'eau, toi, carrément. Ouais, on se sent plus en communion avec la nature. Tu vas faire fuir les poissons? Ah, il y en a un, je les vois. Il y en a un. 40, ouais, ce sera suffisant. On ne croise pas les lignes. Elles sont pas croisées. Ça a bugué parce que je vois... Tu vas faire fuir les poissons. Je reprends une galette de riz. Non mais là, il y a un poisson qui m'a nargué. Ah, tu vois, il des fois... Il a montré sa queue devant... Il a sauté devant moi. Des fois, il passe juste à côté, il s'en battent les couilles. C'est trop chiant. Le chat a de l'humour ce soir, ça fait plaisir. Vous trouvez? Vous trouvez? J'avais pas spécialement remarqué ce soir, mais. Ah! Ça fait deux fois là! Arrête avec les galettes de riz, mais ce n'est que ça! Alors, dans ce cas-là. Si je veux autre chose, il faut que j'aille à la cuisine. Et imaginez, je vais à la cuisine et ça mord. Je peux pas. Oh, tu peux y aller sans problème, hein. Dans mon nouvel appartement, ma cuisine, elle sera encore plus près que maintenant. Du coup... Parce qu'il a décidé d'installer son bureau dans la cuisine. Du coup, j'irai tout le temps bouffer. Encore plus que maintenant. Je veux pas VIP, bien sûr. C'est bon, tu es VIP. Impossible d'ajouter en tant que VIP. Ah, dommage, je suis logué sur Link. Dommage, j'allais te mettre VIP. C'est con, hein. Et allez le faire parce qu'il a le temps. Ouais. Dis donc, poisson, t'as pas envie d'enculer ma ligne? Si on peut juste noter qu'il fait jour et que ça fait quand même super plaisir, vrai. Très cool. Putain, c'est un spot de ouf, hein. Ah bah si tu veux que ça monte, c'est de pas le venir.
Remonte ton bas de ligne pour que le bouchon soit droit. Mais alors ça, c'est tous les noobs qui n'ont pas compris qu'en bas à droite, c'est juste un indicateur de... si ça mord ou pas, quoi. Ça veut pas dire que mon bouchon, il est... Alors là, par contre, pas moi de te corriger, mais tu dis n'importe quoi. C'est un indicateur, justement, pour voir l'état de flottaison de ton bouchon. Eh bah, il est droit, le tien. Comme un piqué. Tu te fous de ma gueule. Attends. Bon bah. Permets-moi d'aller voir pas. Ton. Non, non, mais permets-moi d'aller voir ton bouchon. Si, je vais voir ton bouchon. Laisse mon bouchon tranquille. Il est tout penché, il est tout biscornu. Ton bouchon. De merde. Parle de mon bouchon là. Il est tout biscornu. Je fais la gueule. Putain, un poisson, merde. Un petit poisson. Faut qu'on ait un poisson de rang argent au moins là. Non, pas avec la canne qu'on a, ni avec le moulinet, ni avec le fil, ni l'hameçon, ni l'appât. Les pires gens avec qui vous pouvez aller pêcher, c'est les pessimistes et les gens qui mettent une mauvaise ambiance. Mais par contre, vous pouvez pêcher avec les racistes, les violeurs, les tueurs en série. Tant qu'ils ont un bon mood, ça va. Hier, je suis allé pêcher avec un violeur et un raciste. On a passé une excellente journée, les mecs étaient super sympas. Ah, vous en avez pas des comme ça à Intermarché, hein? Ouais, c'est fait local. Ah bah je suppose qu'à Intermarché on mange autre chose que des galettes de riz, hein. Moi évidemment je suis sans le sou, je suis obligé de manger. Mais bon, on fait avec les moyens du bord ici. Putain mais ça va mordre ou pas là? Attends, j'ai vu un truc, dans mon retour au bel, j'ai vu un truc, ça a fait un éclaboussement juste à côté de ma ligne là. Mais ils arrêtent pas à sauter à côté, moi aussi ils le font. Ça se trouve là, on est dans le Texas et il faut un autre repas. Mais non, mais il ne mordra pas. Hein. Surtout, non, moi ce qui va être sympa, c'est qu'ils vont sortir d'autres réserves probablement sur le jeu, comme dans The Hunter. Il y aura plein de maps. Ça va pas mordre pour autant. C'est vrai. D'autres maps avec d'autres espèces de poissons. Bien sûr. Très certainement, évidemment, mais. Peut-être de la pêche en mer. En eau salée. Oh. Quelqu'un a déjà pêché en mer? Évidemment. J'ai jamais fait. Mais moi non. Parce regarde le petit enculé qui a sauté à côté de moi là. La plupart des gens qui disent oui j'ai déjà pêché, c'était en eau douce. C'est pas une insulte. Si. La pêche en eau douce c'est pour les noobs. Ah ça vous fait chier les commentaires YouTube ça. Ça vous fait chier. Vous savez pas si je déconne. Vous savez pas si je déconne. Non mais je vais me mettre sur le pont pour pêcher. Hein. Ici c'est une eau polluée. Le mec il s'invente des trucs. Ah, regarde, je vais me mettre sur le pont qui est là. Bon, si c'est comme ça, je vais bouger aussi. Ah, c'est sûr que là, une fois sur le pont, ça va bien plus mordre. Ah, c'est plus facile dans Animal Crossing. Hein. Là c'est de la vraie pêche là. Ah ouais, t'es carrément. Bah quoi, c'est un pont. Ce grand malade. Alors. D'accord, oui, tout est bon. 40 cm, c'est largement suffisant. Allons même à 30. Non, 40. Au fait, bravo pour les top 1 tendances jeux vidéo pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, c'est pas très... Enfin, bah merci, mais enfin je vais te dire, c'est banal. Comme d'habitude, quoi. Vraiment, là, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Pourtant, c'est pas facile, hein. On lutte quand on est un petit commerçant. Parce que quand Intermarché choisit de publier exactement au même jour
certainement par hasard, ces articles en magasin. Le mercredi et le dimanche. Les deux jours, effectivement. C'est bel et bien les mêmes sorties d'articles que nous, le mercredi et le dimanche. Donc Intermarché se positionne au même endroit pour les streams et pour YouTube. Et pour, oui. Alors c'est pour ça que tu pourrais me dire, au début ça pourrait être un hasard, mais force est de constater que le grand capital essaye de baiser les petits commerçants. Attends, je commence à m'inquiéter pour nos cordons bleus là. faut le voir comme un compliment. Oh, le poisson, il a fait un jump. Ça va mordre au bout d'un moment. Il y a des gens, tu sais, qui, au bout de 2 heures, ils commencent à comprendre, qu'ils se disent qu'on... C'est qui Intermarché? J'ai vu des messages. C'est Mais qui? J'ai l'impression qu'il parle d'autre chose que d'Intermarché. C'est bizarre, je. Ça va mordre. Allez. Mais plus de profondeur. Mais vous voyez bien que je suis pas dans un lac très profond. Moi je ne quitte pas ce stream tant que j'ai pas eu un autre poisson, hein, cependant. Le premier qui a un poisson a gagné. C'est la règle. Putain de merde, ça sent pas bon avec la chatte qu'il a. C'est combien les. Ça fait 50 pêcheurs sur 700 personnes? Bah ouais. Il y a 50, vous pêchez au. Non. Et aucun, c'est 50%. Ça veut dire que. Il y a beaucoup trop de pêcheurs là. Ah oui, on a un chat rempli de pêcheurs. Alors c'est ça qui vous définit un peu la communauté Wankix. Vous êtes des pêcheurs. Il y a Clayton qui m'appelle, il est à moitié bourré. Ma canne à pêche a été maraboutée. Là, je fais tout ce qu'il faut. J'ai envie de changer d'endroit, mais... Ah! Ah non. Des fois, quand ma ligne, elle se... Tu sais, elle se pose sur l'eau. Je me dis que ça a bougé, mais je crois pas que ça a bougé. Non, tu peux... T'auras aucun doute quand ça va mordre. Ça fait un petit cling. Mais ouais, ça bouge dans tous les sens. Je sais, mais... Est-ce que... Est-ce qu'il vaut mieux que je bouge? Est-ce que nos équipements sont adaptés à cette zone de pêche? C'est ça, on n'a pas pêché un seul poisson ici. Est-ce que je devrais mettre plutôt du pain? Pourtant ça gigote dans la flotte, hein. Je sais qu'il y en a. Ouais, je vois des poissons, mais... Et oui, et Lucari qui nous dit, bah après pêcher ça prend du temps, et il a diablement raison. Mais il est juste à côté là. Link ? Allez, oui. Non. Non, non, c'est parti. Non, fais pas chier. C'est... Ah, oh, je le vois, sa ligne, elle bouge dans tous les sens. Ah, l'enfoiré. Et ben voilà, il fallait bien conclure. Théma, sa ligne. Alors, ouais, par contre, c'est vraiment pas difficile de le remonter, donc... Ah, oh, ça va être... Bah, vraiment... Il va avoir une sardine, il va gagner, quoi. Je vais pas me vanter sur la qualité de ce que j'ai pêché, mais en tout cas, voilà. C'est ah, bon. Putain. C'est pêché. Ah, il résiste, hein, le petit bout de merde. Il résiste. C'est honteux, un peu, là. Et c'est bon! Oh, par contre, la taille du bousin. C'est minuscule? Il fait 13 cm. Oh là là, c'est honteux. C'est une perche chaude! T'as déjà pêché une perche chaude? Bah ouais, c'est le premier que j'ai eu, la perche chaude, c'était ma sardine. Ah, la perche chaude! Corde 56, bah tu m'étonnes. Putain. Ah merde, là je suis frustré là. Il y en a un qui a dit, après 13 cm c'est déjà ça.
C'est déjà bien. C'est déjà... C'est pas si petit que ça, hein. Mais t'inquiète. Regardez ce poisson de merde. Il est juste à côté. Non, non, elle marche pas dans l'eau. Hé, hé. Tu vas la voir un jour. Arrête de marcher dans l'eau. Oh là là, l'enfoiré de merde. Ah, j'ai presque tout pied. Il est prêt à tout, l'enfoiré. Je peux faire jusqu'ici. Putain. Je l'attire, peut-être que sur... il va me confondre avec regarde, un regarde, il est juste à côté. Gros truc. Il est juste à côté. Manger. Attends, ça va mordre, 100%. 100%. Il est trop près. Il est... Bon. Allez. Oh, c'est... ça mord. Allez. Allez. Allez, ma belle. Que okay, je le chope avec les mains. Allez, je le chope avec les mains. 13 cm, c'est pas grand-chose. On veut plus. On veut plus. Non, arrête de l'attraper. Arrête de l'attraper. Allez. Arrête allez, de l'attraper. Arrête. Il est comment? Il est allez, comment eh. Il est comment? Je le vois pas. Je le vois pas. Allez. Ah, c'est, mais il résiste ça se pas. Ça se voit qu'il est tout petit. Non, il résiste pas du il tout. Il est à chier. Il est tout petit. Il y a aucune tension dans ma ligne. Oh, j'essaie la paire chaude. J'essaie de faire un effet dramatique, mais c'est une vieille paire chaude. Je te vois te pencher vraiment dans tous les sens alors qu'il n'y a aucune difficulté à la ramener. Non, vraiment. Allez. Je l'écrase. Oh, ça va être décevant. Mais ça va être décevant. Ah, il est minuscule, ça, je l'ai moins, vu. Hein. C'est un saumon. Il est minuscule. Ah, je le vois, mais il est tout petit en fait. Il est mis. Attends, ça va peut-être faire un record de... Oh là. Il est tout petit. Yes! 14 cm! Mais il y a un centimètre de différence! Yes! Oui, mais c'est bien important déjà! Ça fait beaucoup! Oh, yes! Putain, elle est belle! Et c'est encore un ménominie des montagnes, hein. C'est mon poisson ça! Ah, apparemment t'as pas précisé le poids qu'il faisait! C'était combien toi? Moi c'était 0,18 kg, et toi? Le poids c'est pas l'important! C'est la longueur qui. 0,11. En tout cas, la longueur 0,14. Ça, c'est. Je prends une photo. C'est... Elle est énorme. Tu vois ? Je prends une photo. 14 cm. Les meufs, elles sont là. Waouh, c'est énorme la vache. 13. Ouais. Bouf, on s'ennuie. Elles sont là en mode. Waouh, c'est amplement suffisant. Waouh, de toute façon, plus loin, ça servira à rien. Donc, vraiment, là, c'est parfait. C'est vraiment nickel. Et bah voilà, chacun sa merde. Chacun son petit poisson de merde. Non mais c'est nickel. Moi au final j'aurais eu une truite arc-en-ciel. Un énorme bousin, difficile à ramener hein. Et ça c'est ça donne le plus beau envie. Truite arc-en-ciel hein, il a dit. Ça donne envie d'avoir un gros poisson là. Mais bon, je pense que ça demande du temps et du travail. Je pense qu'il faut beaucoup d'argent. Là, on a combien? Je sais même pas combien on a. J'ai 500. Mais putain, j'ai 500 j'ai pièces d'or, c'est beaucoup. J'ai 720. Ah, t'as pas dépensé, toi. Si vous voulez pêcher de la grosse poiscaille, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et d'utiliser le code créateur WANKILL. Ah, c'est important ça. Hein. On n'oublie pas. Les pêcheurs. Je me suis suicidé. Interdit de se suicider, je vais essayer, regarde. Interdit de se suicider. De se suicider. Je ne veux plus vivre. J'ai bien réfléchi. Et je veux bien vivre. Point d'exclamation jeu, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Et ça fait plaisir. Bon. Bah voilà. J'espère que ce live sans prétention vous aura plu. Ouais. Et soyez là pour le prochain parce que car dimanche c'est le dernier stream avant 3 streams déprogrammés car je pars en vacances. Alors dimanche c'est la grande fête d'adieu. D'adieu. Venez tous. Et c'est aussi le September. Alors retenez bien votre ça jus. Tombe vraiment, c'est un hasard. Et lâchez tout le 4 chez nous. Voilà. Bah alors c'est toute la sauce le 4, hein, profitez. Voilà. Ah, on est quand même bien ici. Hein. J'ai quitté. Tu peux rester là, mais... Moi j'ai quitté. Allez.
Merci d'avoir été nombreux, merci pour les subs, et à dimanche. Comme tu veux, Terracide. Il s'est barré ? Hein ? Il s'est barré, là ? Je m'excuse en son nom, vraiment. Vraiment, je m'excuse en son nom, c'est honteux. À dimanche.